Bonsoir. Oh, merci au fait pour le renouvellement d'abonnement. Il vient de s'afficher en plus. Célia Stormich, merci beaucoup pour le 6e mois. Merci. J'ai voulu mettre le micro de l'autre côté, mais en fait, ça me perturbe. Je vais le remettre là. Je me sentais oppressée par le micro. Moi, je le remets à sa place, c'est pas grave. Bonsoir, comment allez-vous? En ce mardi de novembre. Et qui est le pire mois de l'année avec janvier et février. Vraiment des mois juste badants de fou. Alors, ce soir, j'ai mis dans le titre, c'est vous qui choisissez, parce que je vous explique. La semaine dernière, avec Dodo, du coup, on a joué à Mario Party, bref. Semaine pro, ça sort les lunettes. Ouais, j'ai trop mal au crâne. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le temps et tout, mais j'avais trop mal au crâne. Et j'avais mis mes lentilles de base. Et franchement, je me suis dit, je vais pas tenir 3 heures à fixer des écrans avec les lentilles, faut que je foute mes lunettes. Et j'aime pas. Genre, je suis un peu. J'aime pas mes lunettes, enfin. J'ai du mal avec ma tête avec mes lunettes, bref, on s'en fout. J'avais trop mal au crâne. Bref, donc oui. En fait, semaine pro, il y a My Sims, je sais pas si vous avez vu sur Switch, du coup, qui sort, slash qui ressort, parce que c'est le My Sims, il me semble, de Wii, bref. Du coup, on va faire ça la semaine prochaine. Probablement la semaine encore après, et je sais pas, on verra. Mais du coup, ouais, aujourd'hui, je voulais faire un truc. Je voulais pas faire un nouveau jeu ou lancer un nouveau truc si la semaine prochaine et les prochaines semaines à venir, on est sur My Sims. Donc voilà, vous choisissez pour aujourd'hui. Je vais vous faire un petit sondage. Je sais pas si je le fais tout de suite ou si j'attends un petit peu parce que genre peut-être un peu discuter et pas faire le sondage direct en vrai. Attendre un petit peu, lol. Mais du coup voilà. Donc on va reprendre un truc qu'on a déjà fait. Donc voilà. Merci Marmotte pour l'11e mois. Merci, merci, merci. Et là je suis un peu en retard. J'ai un début de migraine mais je suis là. Mais tout le monde a mal à la tête aujourd'hui ou quoi? C'est une dinguerie, tout le monde a mal au crâne. Alex qui m'envoie un message que ça fait 3 jours qu'il a mal au crâne. Je vous jure qu'on a tous mal. On va faire un sondage, non mais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? My God. Donc, pour ce soir, ce que je vais vous proposer en jeu, je vais attendre, ouais, 19h30 pour vous lancer le sondage, puis on laissera le sondage longtemps en vrai, parce que bah, on est dans la phase de discussion, mais. En vrai, je voulais faire Dress to Impress de base, mais j'ai vu qu'il y avait une mise à jour apparemment pour Noël. Enfin, genre hivernal dans tous les cas. Fin novembre, si je dis pas de conneries. Fin novembre ou début décembre. Donc je me dis c'est peut-être un peu bête d'y jouer maintenant si j'y rejoue dans genre 3 semaines, même pas. Donc voilà. Donc en vrai, soit Field of Mystria. En vrai, sachez que le jeu me manque de fou parce que je l'ai fait que en stream avec vous. Donc en soi, j'ai pas tant joué que ça. Ce jeu me manque de fou. Soit Stardew Valley en vrai parce que j'ai grave repris. Cette dernière semaine, là, j'ai grave repris Stardew Valley, puisque comme je suis pas jouée à Field of Mystria, bah je me suis remise sur l'autre. Donc voilà. En vrai, Stardew Valley, j'ai grave farm et tout, j'ai remis encore plein de mods. Donc ah bonjour Negan, oui viens. Dodo? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah d'accord. Parce qu'il y a Dodo aussi dans la cuisine. Bonjour Negan, bonjour, 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 bonjour. Oui, pourquoi t'es venu en courant? Pourquoi t'es venu en courant? T'as des crottes aux yeux. T'as des crottes aux yeux. Oui. Ah, c'est bon. Oui, t'es très beau. T'es très beau. Dis bonjour, Neganette. Bref, donc voilà. Un câlin pour Negan. Oh bah. Tant qu'il est là. Après, il va te sauver avec Dodo. Parce que Dodo est parti chercher de la bouffe. Il a toujours une tête. Ah! T'as toujours une tête perdue, Negan. Non, pas de bisous. T'as toujours une tête perdue. Il est toujours du père, ce chien. Ah bah voilà. Et bisous quand même. Sachez que je suis archi perturbée à chaque fois, je vous le dis, mais quand je parle et que je stream sans le casque, ça arrive pas souvent. Mais comme j'ai pas l'anti-bruit et tout, j'ai l'impression que je stream pas et que je suis juste bête en train de parler toute seule alors que genre, je suis en stream, mais je sais pas le casque. Bref, parce que du coup, avec les lunettes, je peux pas mettre le casque parce que sinon, genre, il m'écrase trop. Au bout de même pas 1 heure, ça me fait archi mal avec les branches. Donc je vais mettre des écouteurs aujourd'hui. Bon, voilà, c'est tout. Mais pas la SMR, pas dès le début. Mais vous voulez tous des TI. Mais le problème, c'est que si je fais des TI, attendez. Je vais regarder c'est pour quand la mage. Parce que. Je vous dis, j'ai pas. En fait, j'ai pas envie de faire des TI. Faire les 2 ou 3 semaines de My Sims et après re-switch sur des TI. Vous voyez ce que je dis ou pas? Attendez, elle est quand la mise à jour? La mise à jour des TI. Dress to impress. Parce que je crois que j'avais vu la carte passer. Je vais pas regarder à quelle heure il était lancé la SMR. 7 minutes 5. Je l'avais vu passer.
J'ai rêvé ou quoi? Les gars, j'ai rêvé ou quoi? J'ai vu passer comme quoi il y avait une mise à jour de Noël fin novembre. La vérité, je crois que j'ai rêvé. J'ai rêvé ou quoi? Je regarde sur le Discord de 13 Louis Press, il n'y a rien. Je crois que j'ai rêvé. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, en vrai, j'ai bientôt fini l'ASMR. En vrai, c'est dans longtemps la mage. Mais c'est bizarre parce que là, on est toujours sur Halloween en soi. Donc, je sais pas, ça paraissait logique que genre en décembre, peut-être première semaine de décembre, dernière semaine de novembre, je sais pas, ils vont changer, je pense, logiquement. Pour ça, je voulais voir si ils changeaient. Bref, dans tous les cas, si jamais vous êtes vraiment beaucoup à demander d'été, au pire, je le mettrai dans le sondage, on verra bien. Si vous choisissez d'été, écoutez, tant pis. On fera d'été. Mais qu'est-ce que je voulais dire? T'as rien à dire, toi, Negan? Rien à déclarer? Non, ça va. C'est pas si mal. Merci, Aya. Merci, Aya, pour le 9e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ces sons sont magnifiques. Merci. Faut que je les change en plus parce que j'ai une grosse repousse. C'est mes ongles un peu Halloween, entre guillemets. C'était un peu plus remis. Mais j'ai une maxi repousse. Elle est pour le ASMR. Je pense. Ouais, il y a 2 minutes. C'est bon l'ASMR. On avait mis 1 minute ou 2 minutes. Je retiens jamais. Sincèrement, je retiens jamais. Pitié. Oui, Negan, mais tu tiens chaud. Tu tiens trop chaud, toi. Oui. Et soyez fiers de moi. Je n'ai pas pris de Red Bull aujourd'hui. MDR, j'ai pas pris de Red Bull du mardi. J'ai pris, vous savez quoi? Du jus de pomme. 2 minutes, la SMR, merci. Bah, en vrai, j'ai fait les 2 minutes, je crois. Bon, je sais pas si je vous lance le sondage maintenant. En vrai, je vais lancer le sondage. Je pense qu'on le laissera longtemps, parce que le temps que le truc se fasse. Vu que ça décide quand même du jeu. Est-ce que je vous ai déjà fait? Je réfléchis. Je crois que c'est la première fois que je démarre un stream, genre j'ai pas de jeu. Je suis en mode, bon bah choisissez. C'est merde. Ah putain. Genre l'icône sondage elle est pas logique pour moi. Bref. Quel jeu ce soir? Tac. Du coup ouais, je mets Field of Mystria. Stardew. Stardew Valley. Sachez que si on joue à Stardew Valley, ce soir on divorce. C'est tout ce que j'ai à dire. Stardew Valley et Dress to Impress. Je vais vous le laisser longtemps le... Ah putain, je voulais écrire Dress to Impress, bande de forceurs, mais je peux pas... Je peux pas écrire le truc en entier, bah c'est pas grave, tant pis. Hein. On dirait 5 minutes, oh, on va laisser 10 minutes le sondage. Comme ça tout le monde a le temps de voter, les gens qui arrivent et tout, vu qu'on vient de commencer le stream. Putain, j'ai pas fait tout autre. Field of Mystria, Stardew Valley, Dress to Impress, non, c'est bon. Est-ce que vous avez le... Hein? Quand je le vois pas, moi. Je peux fermer, ça? Ah, c'est bon. C'est bon. Mais Negan! Vous voyez ou pas? Le chien, il est debout sur la couloir du siège. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais... Il reste comme ça, en plus. Ben oui. Genre, t'es à l'aise comme ça. Ah si, vous voyez juste l'oreille. Je sais pas, il est sur la couloir, genre, vraiment... Excuse-moi, ouais, je vais me mettre comme ça, je veux pas te déranger plus. Hein. Ça fait 12 jours que je suis sur Red Bull, toi aussi Alex? Non, en vrai c'est bien, on est fort. Non, ça fait du bien en fait, d'arrêter le Red Bull, ça fait du bien. Et juste pas, mais c'est très bon. Il y a un an, on avait regardé les Wings en stream, mais jusqu'à quelle saison je n'avais pas pu suivre la fin. J'avais fait des streams que sur la saison 1, il me semble. Il me semble que oui, on s'était arrêté à la saison 1. Je crois qu'après... Oui, parce qu'après on avait fait... Merde. Ça va, Negan, le rototo, là? Après, on avait fait... Merde! Ah, l'île des défis extrêmes. Tu pouvais pas me le dire, toi. Bah oui. Tu fais la statue, là, sur la couture, tu peux pas m'aider. On avait fait des défis extrêmes après, mais non, on avait fait que la saison 1 des Wings, il me semble. Mais ça doit toujours être sur YouTube. Pas les streams, mais les épisodes, si jamais. Même la saison 2, elle est sur YouTube, ça c'est sûr. La saison 2 est sur YouTube. Bref. C'était pas Field of Mystria, j'ai rien suivi, moi. Non, ce soir, c'est au choix. Voilà, c'est tout. Oui, descend. Parce qu'en fait, je sais pas, vous entendez pas, je pense, mais...
Il y a Doudou qui est en train de manger un truc. Je sais pas c'est quoi, mais ça croustille. Je pense que c'est des chips. Du coup, Negan a entendu au loin chips. Il s'est dit c'est bon, je me casse, bisous ma belle. Ok, voilà. Koh-Lanta Cartoon, ouais. C'est un très bon résumé, en vrai, des luttes des filles extrêmes. C'est grave la même chose en vrai. Je pensais que ça serait fini d'en arrivant sur le chat choqué, c'est un sondage 100%, vous allez voter pour DTI. Mais c'est sûr les gens vont voter pour DTI, sincèrement, c'est sûr. Attendez, j'ai même pas regardé. On a une minute de sondage. Ah bah. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était sûr. Ah, attention, parce que... Moi, en vrai, j'aime bien DTI, mais... Je vous préviens, vous serez tenus responsables. Parce qu'il y a forcément... Il y a des gens qui vont se plaindre que je fais trop de DTI, d'accord? Donc sachez que je me dédouane. Parce que si ce soir on fait DTI, moi je fais un stream DTI pour la mise à jour, s'il y a une mise à jour de Noël, donc dans moins d'un mois. Donc vous serez tenus pour responsables, d'accord? Tous ceux qui ont voté pour DTI. Parce qu'il y en a qui sont, il y en a qui sont pas être contents du tout. Il y a trop de DTI, hein. Faut assumer. Monde qui se dédouane, j'ai pas voté DTI. Non mais, vous inquiétez pas. Ce sera ceux qui ont voté DTI. Je ne peux pas voir les noms, c'est dommage. Mais vous êtes responsable. Tu nous laisses voir les thèmes. Bah écoutez, si on fait DTI, ouais, faut choisir ce qu'on fait. Logiquement, en vrai, hein, on peut refaire un serveur privé par contre. Parce que je crois que c'était pour un mois le truc du serveur privé là, que j'avais acheté la dernière fois. Et le stream, dernier stream DTI, c'était combien de temps? 3 semaines. Donc logiquement, j'ai encore le serveur. Donc si jamais on fait DTI, je pense qu'au pire, on fait un serveur privé. Éventuellement, moi, je me cache le thème ou pas, je sais pas. Faut que je cherche du scotch. Petit masking tape. Pour cacher sur l'écran, mais... En vrai, à voir. J'attends déjà la fin du sondage et tout. Si jamais c'est DTI qui remporte le sondage, même si je sais très bien que c'est ça qui va remporter le sondage. On voit comment on joue. Si on joue ensemble et tout, et avec et sans thème. Bref. Le sondage est où? Je viens d'arriver, ça dépend si t'es sur ordinateur ou sur téléphone, mais normalement il est pas au-dessus du chat. Genre faut que tu cliques normalement pour déplier les réponses. Après moi j'ai l'affichage ordinateur, donc ça dépend, mais c'est au-dessus normalement. Elles sont super ces boucles d'oreilles, merci. C'est des poids. D'habitude je les mets dans les stretch, mais là j'avais la flemme. Donc genre y a pas de fermoir, c'est vraiment juste des poids. Enfin, il n'y a pas de fermoir, si, un fermoir, je suis con. Mais il n'y a pas de partie fine, donc t'es obligé de mettre dans un lobe stretché. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tu comptes faire un live make-up? J'en ai fait un il y a... Je l'ai fait quand, les gars? Il y a 2 semaines. Oui, c'était il y a 2 semaines. D'ailleurs, faut que je t'explique pour la rediffusion. J'ai décidé de ne pas poster la rediffusion du stream d'Halloween. Si vous étiez là, vous savez, vous savez... Franchement, j'étais en mode, vas-y, au pire, je poste que la première partie, la partie make-up, j'étais en mode. Sincèrement, le stream était tellement déprimant que c'est mieux. Je le poste pas. J'y fus. Bah, très bien, très bien. Donc j'ai posté direct la rediff, là, du stream la semaine dernière avec Dodo, le... Ah, putain, mais j'ai quoi dans la tête? Mario Party. Je te jure, je cherche mes mots ce soir, c'est une dinguerie. Bref. Pourquoi c'était déprimant? Bah en fait, j'ai choisi un jeu indé qui qui fonctionnait pas de fou, qui déconnait, et en fait ça m'a tout fait planter. Après on avait plus de micro, plus de son, plus rien, et ça a fait planter le stream de malade. Et je me suis acharnée pendant genre, je sais pas moi, 30-40 minutes, pour même plus, pour continuer le stream. Au final ça n'allait pas, c'était un bordel monstre et j'étais dégoûtée. Parce que j'attendais de fou le stream Halloween, mais bon, c'était un mess. C'est pour ça que l'année prochaine, si on fait un stream Halloween, je prendrai un jeu moins... inconnu en bataillon pour être sûr que le truc soit plus stable, mais ouais, c'était un peu la merde. Ce qui était là son privilégié, du coup, oui, de fou. C'était comme aussi, il y a un autre stream aussi que j'avais pas posté la rediff, il y en a que deux, donc le stream Halloween et il y avait un autre, je sais plus c'était sur quel jeu, mais je me rappelle que je sais même pas si le stream avait duré super longtemps. L'ordi avait fait une mise à jour tout seul, il s'était coupé. Et du coup, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, j'avais stream dans le bureau de Dodo avec mon téléphone. Franchement, c'était n'importe quoi. Il y a que les deux streams là pour lesquels il n'y a pas les rediffs, mais sinon, il y a toujours les rediffs, hein. Vous inquiétez pas. Le jeu maudit a continué les attaques sur son ordinateur. Non, non, c'est bon, hein. Je désinstallais et tout. En plus, Steam, ils m'ont quand même remboursé, même si j'avais dépassé
les 2 heures de jeu, parce que ils tournaient en fond de jeu, ils m'ont remboursé et tout, parce que j'ai dit que bah, c'était un bordel quoi. Donc bon, voilà. T'as fini le jeu ou pas du coup? Moi je suis partie au moment où il n'y avait plus de micro au bout de 10 minutes. Bah non, j'ai pas du tout pu le finir le jeu. C'était. Je sais pas. Après, je suis allée sur Steam, lire les avis, etc. Et enfin les derniers commentaires, messages et tout. Et il y a plein de gens qui avaient des giga bugs avec le jeu, donc apparemment j'étais pas la seule, donc bah, on saura jamais la fin. Je sais pas s'il y a des let's play du jeu là sur YouTube, mais on saura jamais la fin. Tant pis, hein, tant pis. Ah oui, bah globalement tous ceux qui étaient là pour les Wings, les aventures extrêmes sont des VIP. Oui, c'est vrai, il n'y a pas non plus les redeals des reacts, puis c'est vrai, j'avais zappé ça. Mais en vrai, quand je calcule, on avait fait masse de reacts, non? Je sais pas, dans ma tête, ça avait duré super longtemps. Pas la moitié de l'année, faut pas abuser non plus, mais franchement, j'ai dû faire au moins 15, même plus de 15 reacts, non? La saison des Wings, c'était long quand même. C'était long. T'as même pas pu le commencer en vrai. Bah pff, ouais, j'ai joué quoi, 10 minutes au jeu? Dinguerie, hein. J'ai pas fait grand chose, hein. Le jeu maudit. Ah, mais clairement. Clairement, si jamais. C'était quoi le nom? Super normal? Super naturel ou super normal? Dodo, je sais plus. Parce qu'il y en a deux. C'était super normal, je crois. Si jamais. Merci! J'ai rien qu'il allait me répondre à l'écrit. Non, il écrit. Super normal. Si jamais, n'achetez pas ce jeu du coup. Il peut être sympa, mais il y a trop de bugs. Non, vraiment, c'est pas. Les streams react, une bête d'era. Une era, carrément, c'était il y a même pas. C'était il y a moins d'un an, genre. Mais oui. Oui. C'était les petits reacts du dimanche. Après, franchement, sincèrement, stream le dimanche, c'est déprimant de fou. Parce qu'il y a Dodo qui travaille pas, donc. Genre, au lieu d'être avec Dodo, je streamais, donc c'était un peu triste en vrai. Donc si jamais un jour je refais des reacts, faudrait faire un autre jour de la semaine. Parce que le dimanche, c'était genre pas le. C'était déprimant. Je sais pas. Il y avait pas d'autres lives que t'avais pas posté parce qu'il était pas dingue, parce que je me souviens d'un. Oui, c'est ça. D'un que tu n'avais pas posté, mais pas du bureau de Dodo. Ah bon? Pas du bureau de Dodo? Il y avait un autre? C'était quoi? C'était avec un bug? C'était avec quoi, genre? My god. Mais bon, Twitch a pas voulu qu'on continue. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ceux qui ont suivi en temps réel l'histoire du colis coincé à Jakarta sans VIP. Ah bah ça. Oh my god. Mais en fait, c'est bien parce que. Comment dire? Forcément, à chaque stream, il y a des gens qui viennent 5 minutes, il y a des gens qui restent tout le long, il y a des gens qui viennent ponctuellement, il y a des gens qui viennent à tous les streams. Donc des fois, genre, je sais pas comment faire des liens avec les choses que j'avais pu dire avant, parce que toujours je réexplique, tu vois, en me disant, bah, il y a forcément des gens qui ont pas tout, quoi, c'est normal. Mais non, mais ça fait plaisir. Il y en a qui ont toutes les Mais ça, c'était vraiment... non, c'était quelque chose, hein, le colis à Jakarta... Que ça ne m'arrive plus jamais, s'il vous plaît. Sincèrement, là, c'est un peu abusé, quoi. Je vous ai demandé ton avis, même si tu postais ou pas, je crois, mais j'ai 9 heures de poisson, donc je suis sûrement folle, MDR. Non, mais il y a moyen, hein. Il y a moyen, mais c'était pas celui du bureau de Dodo d'été, il y a son tube. Ah ouais, putain. Putain, le sondage, j'ai déjà fini, par contre. Les imutes, elles sont passées super vite. Je peux voir les autres résultats ou pas du tout? Comment on fait pour voir? Là. Bon, allez, voir les résultats. C'est quoi? Ah ouais, 68% de Restwing Press. Stardew Valley, personne n'a quelque chose à foutre. D'accord, bah de Restwing Press alors. Je vous dis, moi je me dédouane à ceux qui regardent le stream, ceux qui regardent la rediffusion, s'il y a trop de Restwing Press, ce n'est pas ma faute. Restwing Press avec la commu ou pas? Bah je pense que oui, mais je vais faire un sondage, attendez. Parce que, attends, je vais quand même, avant de, voilà. Je vais vérifier en 2 secondes, je vais lancer le jeu pour voir. Normalement j'ai encore mon serveur... Mais il est où Roblox? Ah il est là, merde. Faut que je vérifie, normalement j'ai encore le serveur privé. Putain, les choses sont dégueulasses. Horrible. Alors attendez que je vérifie. Si j'ai encore mon serveur. Ouais, donc on pourra faire comme ça. Par contre, pourquoi il se met pas en fenêtré le con? Pourquoi il est pas en fenêtré? Non, c'est pas grave. Ferme Roblox.
Oh, dégage! Bon, bah, je peux fermer du coup Stardew Valley que j'avais lancé en fond au cas où. Je peux fermer, c'est pas grave, sachez que je jouerai à Stardew Valley après ce stream. Tant pis, tant pis pour vous. Ou j'irai divorcer toute seule. J'irai divorcer de Sébastien toute seule parce qu'il me casse les couilles. Nouveau sondage du coup, attendez. DTI. Alors, solo. Serveur. Privé. Commu. Attendez, solo. Sans. Merde. En fait, je sais pas. On peut pas faire deux questions en même temps? C'est pas possible pour le sondage. Parce que je voudrais faire le sondage. Soit solo, soit commu. Je sais que vous allez tous voter commu, mais bon, c'est pour dire. Et soit avec ou sans thème. Genre thème caché ou pas. Attendez, ça va être trop long. Le sondage va ressembler à rien, je suis désolée. Sachant que si on joue en thème caché avec la commu, par contre, bah, faudra pas que vous me spoiliez, quoi. Les gens qui sont dans le... dans le jeu. Et dans des thèmes visibles. Ouais, commu, thème visible. Commu. Thème caché. Il n'y a pas d'autre manière de jouer, hein, je vous envie. Non, c'est bon. Ah merde, j'ai mis 10 minutes. Oh, c'est pas grave. J'ai mis 10 minutes, les gars. J'ai mis 10 minutes. Solo, c'est mieux pour thème caché, en vrai. Ouais. Ouais, c'est sûr que ce serait plus simple le thème caché en solo qu'avec tout le monde, mais bon, après, je peux quand même... Faut pas que je regarde le chat, il faut pas que j'ouvre le chat non plus du jeu n'est rien. Juste pas que vous me spoiliez. Au pire, juste on divorce vite fait à la fin du stream. Après, c'est long, hein. Genre, Stardew, c'est long un peu. Je sais même pas si on divorce en 2 secondes. t'as vu que sur Stardew, tu peux arrêter les mariages et te mettre en coloc avec Krobus. Ah bon? Ah, je savais pas du tout. C'est trop bien, par contre. Oh non, c'est trop mimes. Je sais pas si la question a déjà été posée, mais tu vas jouer au nouveau jeu. Au nouveau jeu, putain, j'ai pas lire. Totally Spies sur Switch? Non, je pense pas, parce que Totally Spies, c'est pas... Ah, un autre jeu de Switch, donc faut que je parle, mais bref. Totally Spies, genre, c'était pas mon dessin animé préféré, genre, j'ai un peu la flemme. Sauf si vraiment je vois passer le jeu, genre, je sais pas, moi, sur YouTube ou TikTok, et je vois que le jeu est incroyable et tout, que ça me donne envie, pourquoi pas, mais sinon, là, comme ça, genre, j'ai un peu la flemme. Pour ça, j'attends My Sims la semaine pro, mais... Sinon, ouais, autre jeu de Switch, faudra qu'on se les fasse, sincèrement. Je sais pas si vous connaissez... Merde, j'ai oublié le nom. Mais ah, c'est horrible. Quand je suis en stream, que je vous parle, j'ai les mots, ils sortent de ma tête. C'est une dinguerie. Dodo, je t'ai donné le nom du jeu tout à l'heure, c'était quoi déjà? Model Debut, merci. Il m'a pas répondu, mais c'est pas grave. Je sais pas si vous connaissez Model Debut, Nicolas, là, je sais pas quoi. C'est un jeu un peu la vibe la maison du style, slash fashion dreamer. Sauf qu'il faut que tu deviennes top model, ok? Ce jeu, il y en a eu plusieurs, existe depuis, je crois, la DS ou la 3DS, donc voilà, ça existe depuis plusieurs années. Mais à chaque fois, c'était que exclusif au Japon. Le jeu, je sais pas pourquoi, c'est le numéro 3, c'est ça? Ouais, Model Debut 3, qui de base, donc je vous dis, c'était tous exclusifs au Japon. Ils l'ont traduit en français et en anglais. Donc il est dispo sur le store de Nintendo, quoi, pour la Switch. Donc en vrai, je me dis ça peut être sympa en stream parce que ça ressemble franchement fort à la maison du style, sauf que tu deviens top model, je crois. Genre, je crois pas que tu gères une boutique, mais c'est un peu la même vibe. Mais je me dis que en stream, ça peut être intéressant. Enfin, je suis grave curieuse. Parce que ce jeu-là, je l'avais déjà vu passer à l'époque, genre à 3DS et tout. Sauf que bah, il était pas sorti en dehors du Japon, je crois pas. Enfin bref, bref. Est-ce qu'il y a une photo du jeu? Peut-être ça vous dit un truc, hein. Peut-être vous connaissez. Il y a où le truc? Est-ce que vous avez déjà vu passer ou pas? Mais oh, le focus, Tara! On voit rien, l'image est trop claire! Bon, c'est pas grave, je vais me renseigner dessus parce que Dodo m'a dit: ne te fais pas avoir comme pour Fashion Dreamer, regarde les let's play avant. S'il est nul, ne le prends pas. Mais s'il est bien, en vrai, je me dis: ça peut être une bonne alternative à Fashion Dreamer parce que Fashion Dreamer, j'ai voulu y rejouer. C'était quoi? Mais je crois que c'était après le stream la semaine dernière, j'ai pris ma Switch, je suis allée dans le lit. J'ai lancé Fashion Dreamer pour voir, mais ils ont juste rajouté des vêtements, quoi. y a rien de nouveau, il y a juste des nouveaux vêtements, c'est incroyable. J'ai lancé le jeu 15 minutes, j'ai fermé, quoi. Donc bon. Comment on peut rejoindre un serveur privé sur DTI? Oui, ce sera via le lien directement. J'ai pas regardé le sondage, la manager de poster, mais... Tout. Ah, solo thème caché?
Ah, vous voulez pas que je joue avec vous? Ok. Bah, y a pas de serveur. Du coup. Ah bah choisis, c'est... là c'est, ouais. C'est entre solo thème caché ou commu thème visible. Donc faut me dire. Faut départager. Mais je dis ça, les voix ils remontent pour commu. Je connais pas du tout, mais c'est le point de vue d'un mannequin, ça peut être sympa. Ouais, il a l'air cool et en plus apparemment il y a une histoire. Contrairement à Fashion Dreamer où bon bah t'as l'introduction et puis après t'es un peu lâché dans la nature quoi. Donc je l'ai acheté au moment de la sortie, j'ai toujours pas touché le PTR, je vais le revendre. Lequel? Fashion Dreamer? Et là j'ai pas trop suivi les DTI, c'est mal, je sais, tu peux faire un mini récap du jeu STP. C'est juste un jeu d'habillage, y a pas de... Je sais pas ce que je peux résumer en soi, c'est juste un jeu, t'es dans une salle, t'as un thème, t'es contre des gens, t'as 5 minutes pour faire une tenue, et tu choisis les vêtements et tu fais ta tenue, c'est tout. Et après, on se vote avec les autres joueurs en fonction du respect du thème et de la tenue et tout. Voilà, c'est vraiment tout simple, hein. Genre j'ai pas de... Je sais pas ce que je peux résumer de plus. Donc voilà. J'aimerais trop voir ton plein potentiel dans une partie avec le thème visible. C'est gentil, mais je pense qu'en stream je vais faire que des trucs de merde. À chaque fois dans tous les streams, j'ai toujours des tenues pourries. Alors que quand je joue en solo tranquille, j'ai pas la pression et tout. C'est con hein, mais j'ai l'impression que je fais des tenues sympas, je fais mes petites captures d'écran, je suis contente. Mais en stream, je sais pas, panique. Dodo a raison, regarde les avis avant. Oui, de fou. De fou. Surtout qu'en plus il est quand même à 40 euros. Enfin, c'est pas 59 euros comme les Mario ou quoi, mais bon, quand même 40 balles. Bah, c'était le prix de Fashion Dreamer, je suis en train de réfléchir. Oui. Donc, bon. 40 euros pour un jeu de merde, c'est pour y jouer une heure. Effectivement. Effectivement! Et les avatars ont des têtes de perso de Minecraft. Oui, c'est vrai. Des têtes de perso de Roblox, quoi. C'est-à-dire, voter thème caché, c'est trop drôle. Bah, faut choisir. Est-ce que Dodo t'a voté? Elle me répond pas. T'as voté quoi? Non mais, il y a un nouveau sondage, je sais pas si t'es au courant. Il me dit qu'il a voté Stardew Valley, et c'était le sondage d'il y a 20 minutes. Hein. Il a pas vu. Bon bah si, comme Dodo, vous n'aviez pas vu, il y a un nouveau sondage, les gars. 50 balles Fashion Dreamer? Non. Je me rappelle même plus. Franchement, ils nous ont bien douillé quand même. Ils nous ont bien douillé. Parce que le jeu, à la sortie... Enfin, à sa sortie, non. Parce que le jeu, les gens se sont vite rendu compte que c'était de la merde, heureusement. Mais avant qu'ils sortent, mais la hype de malade qu'il y avait sur Fashion Dreamer, c'est une dinguerie. Hein. De toute façon, les jeux qui sont et qui étaient, parce que bah c'est la fin de la Switch, mais qui sont et qui étaient les plus attendus sur Switch, c'était la maison du style, vu qu'on a eu Fashion Dreamer, Tomodachi Life, ça n'arrivera jamais, et Nintendogs aussi, qui je pense n'arrivera jamais non plus. Donc il y avait vraiment une grosse hype quand même pour Fashion Dreamer. Non, franchement, c'est abusé quoi. Coucou, j'ai enfin goûté les chips de banane, c'est une tuerie. Ah, tu vois. Tu vois quelqu'un qui me comprend. Les chips de banane, c'est trop bon. Putain, j'ai pas suivi, on en est où? Parce que j'ai fait tomber le paquet de parmesan ouvert, il y en a partout. Sur le sol noir, elle... Oh, j'espère pour toi que t'as un petit chat ou un petit chien qui va venir manger le parmesan, parce que... Oh non. Oh my god. Force. Mais franchement, là, il se passe rien. Là, on est sur les sondages, c'est tout. T'as des jeux à 10€ avec plus de consistance. Ah, mais largement. Largement, quand t'es sur le store, rien que sur la Switch, hein, t'es sur le store de Nintendo, tu charges des petits jeux indés, t'en as qui sont pas chers et qui sont incroyables, quoi. Donc là, franchement, non, que ce soit un gros jeu, qui soit en physique, qui plus est, pour être aussi vite, quoi. Animal Crossing, c'était pas attendu sur Switch aussi. Si, de fou, mais bon, Animal Crossing, c'était sûr qu'ils allaient sortir, tu vois. Que Maison du style Tomodachi Life, Nintendo, c'était vraiment attaché à la DS. Alors qu'Animal Crossing, il y avait sur la Wii, il y avait sur la GameCube, etc. Donc il y aura forcément d'office sur leur Switch 2. Mais bon, voilà quoi. Elles ont trop belles tes lunettes, j'adore, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. J'aime pas ma tête avec les lunettes, mais merci, c'est très gentil. Les professeurs Layton aussi, oui. C'est sorti ça du coup ou pas sur Switch? Si, je crois que c'est sorti il y a pas longtemps. Si, bah si, je suis con, j'avais vu un TikTok. Les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas de tactile, c'est ça? Je crois. Je sais plus. Slime Rancher à 8€, incroyable. Alors c'est vrai qu'il est bien, Alex. Je connais de nom, mais j'ai jamais vu vraiment ce que c'était. J'avoue qu'un bon retour de Nintendo, ça serait incroyable, franchement, ouais.
Surtout qu'en plus avec les graphismes, enfin les graphismes de la Switch, les graphismes sont pas fous, mais par rapport à une DS, il y a une évolution de malade. Les chiens de Nintendox seraient tellement beaux. Ce serait trop bien. Ça serait trop trop bien. Attendez, tant qu'on est sur les jeux qu'on a testé récemment, j'ai téléchargé, enfin j'ai acheté un jeu là. J'ai vu passer sur TikTok, je me suis dit, ah, ça a l'air fun. C'est Disneyland Adventures. De base, je crois que c'est un jeu de Xbox. Et je sais pas, c'est passé sur TikTok, genre c'était en mode, ouais, c'est un jeu, tu te balades dans le parc Disneyland. J'étais en mode, mais trop bien! C'était giga merde. Voilà, c'est tout. C'était ma non-recommandation de la journée. En fait, dans le jeu, tu joues une petite fille, c'est un peu cringe. Tu dois faire des missions avec les personnages Disney dans le parc Disneyland. Moi, je pensais pas que c'était ça. Je pensais que c'était juste des promenades dans des manèges et tout. Pas du tout. Très cringe. Voilà, si jamais. C'était ma non-reco. Sur la fille du professeur, d'accord. Mais un nouveau va sortir soon. Ok, bah ça va, vous en avez eu deux. Ça va, vous avez de la chance. J'ai fait un reel à propos de Rizetti il y a pas longtemps, le violent coup de vieux que je me suis pris. Mais attendez, en plus Rizetti il y est plus là. Il y était dans le dernier sur Switch, je sais même plus là. My god. L'époque où il nous harcelait, limite il nous insultait quand on sauvegardait pas. Les traumatismes. Plus de races de chiens disponibles aussi, ouais ce serait trop bien. Non franchement Nintendox, c'est con. Solo Tom Cachet qui a gagné, ok. Vous voulez pas que je joue avec vous, pas de soucis. Pas de soucis. Je jouerai solo. Alors si on est sur thème caché, il faudra que je sorte le scotch et tout. Putain. Parce que je l'ai plus le truc. Faut que je vous remette un cache. Bon sinon après je peux vous laisser le thème à l'écran, mais juste vous me... Bah je lirai pas le chat pendant les thèmes, je lirai le chat au pire que pendant le truc. Faut que je me refoute du scotch à l'écran. J'avais mis 43 couches de scotch la dernière fois. Hein, parce qu'il est transparent. Attendez, est-ce que je l'ai mis là ou est-ce que je l'ai rangé? Ah, attendez, je vois rien. Excusez-moi, je ne vois rien. Est-ce qu'il est à gauche? Il est là. Ah, mais en plus, le scotch a sorti au... Oh, très Tumblr floral. Floral. C'est plus marrant de devoir galérer, lol. Ah bah merci. C'est gentil. À cause de vous, elle va pleurer totalement. Non, il va falloir que je fasse mon truc, là, que je scotche mon écran. Il est où mon ciseau, il est là. Non mais voilà quoi, voilà. Pourquoi tu mets pas un post-it? Bah un post-it c'est en transparence aussi, hein, en soi. Donc et le truc c'est que il faut que je cache que le thème et pas le timer. Parce que si j'ai pas le chronomètre, je suis vraiment dans la merde. Hein. Laissez-moi le chronomètre quand même. Un minimum. Donc ça c'était bien parce qu'il est en transparence, mais il a la bonne largeur pour cacher le nom du thème. Donc c'était pratique. C'était pratique. Mais attendez, j'avais fait comment pour voir le résultat? Je regardais mon retour ici. Je faisais comment? Je sais plus, je faisais comment. Ah non, je regardais le retour là, je crois. Quand j'avais fait la dernière fois, je sais même plus. Bref, tant pis. Peu importe. Mais écoutez, on discute juste le temps que j'installe. Enfin, que j'installe. Juste que j'installe mon scotch et que je le cale au bon endroit. Parce que ça va prendre du temps, donc je vous laisse en discussion. Il va falloir que je lance des parties, en plus il y a des thèmes qui sont plus ou moins longs. Donc il faut que je fasse un scotch assez long. Par contre je sais pas pourquoi il ne met pas en fenêtre ce con. Pourquoi je peux pas? Dodo? Viens voir. J'arrive pas à mettre le jeu en fenêtre là, il me force en plein écran. D'habitude il est en fenêtre à chaque fois. Attention Dodo arrive. Hein. Tu mangeais quoi? Tu mangeais des chips? Des chips et du pain d'épices. Non mais c'est un mélange intéressant, t'as raison. Comment... Pourquoi je peux pas... Je veux... Bah après on voit mon Roblox il est en anglais hein, mais j'arrive pas à le mettre en français. Tu vas m'aider. Tu veux mettre en français? Excusez-moi, il y a Dodo qui... Tu sais, ça se voit que t'es un fan de Star Wars, tu mets ta capuche et tout, tu fais le gabros. T'as des minous sur ta capuche. Ah, mais je te dérange en plus, je peux même plus vous lire, je me fais engueuler, je me fais pousser. Non, c'est pas je crois que c'est quand tu lanceras le jeu que tu peux le mettre en fenêtre. Non. Non, de base, Roblox... C'est quoi ça? Ça, c'est l'argent. De base, Roblox, mais c'est toujours en fenêtre de base. Ta souris, elle est vachement...
Je l'ai accéléré de base. Elle est ultra lente. Non. Vas-y. Vas-y, écris ici. Merci Fanny pour le 13e mois de sub. Merci. Mais oh! Merci pour le 13e mois de sub. Non mais sincèrement! Tu viens de me débloquer une nouvelle peur, les chips au pain d'épices. En vrai, ça peut, je pense que ça peut être bon. C'est juste que lui, il a mangé du pain d'épices sucré. Au sucre. D'accord. Avec des chips. Mais en soi, genre du pain d'épices fin, croustillant comme des chips, je pense que ça peut être. Tu peux appuyer sur ça? Oui. Si je stream coupe, c'est dodo. Hein. Je vais pas me le mettre en panique. Normalement, tu peux y aller dans tes paramètres de jeu. Bah oui, mais il n'y a pas. C'est vraiment dodo. Non, c'est créateur tu ça. Non, mais j'ai pas voulu. Mais c'est de la merde ton truc. Oh, pourquoi je vais pas faire ça pour l'enlever? C'est quoi? Bah, ton jeu. Je t'ai mis en plein écran, forcé. C'est bien ça le problème. Bah, tu l'aurais éteint, tu l'aurais allumé. De quoi? Bah, Roblox. Mais j'ai déjà fait ça là. Il est en plein écran forcé, je sais pas pourquoi. C'est pour les enfants. Je t'en pose des questions. Chips, chocolat, meilleur combo. Vous mangez des chips. Attends, tu trempes de la chips dans le chocolat ou tu manges les chips au chocolat? Genre les tuiles de chocolat, c'est trop bon. Et des chips à quoi, genre? Parce que si c'est des natures, en vrai, c'est pas choquant. Je sais pas. C'est des chips à quoi? Salé. À quoi? Salé. Juste salé? En fait, Dodo, je l'appelle à chaque fois que j'ai un problème technique, mais je sais qu'il regarde les mêmes trucs que moi et qu'après il dit bah je sais pas. Du coup, il me fait plus tourner en. Eh, me coupe pas le stream, hein! Je t'ai pas coupé le stream. Je vais te relancer ton truc parce que. Il est sur le bureau, Roblox. Mais non, mais. Pourquoi tu peux pas aller dans tes paramètres de jeu? Ça va le. La digestion, elle se fait. Mais t'es sérieux? Mais t'es. Oh le gars! Qu'est-ce que tu me tapes dans la gorge aussi? Non, mais toi, t'es dégueulasse, hein. Exécuter. Fenêtre normale réduite, agrandie. Fais réduite. Ouais. Bah ferme-le maintenant. Toi, où tu viens? C'est quoi la rêve déjà? Tu rôtes devant. Ah ouais. Elle rôte devant vous. Devant mes fans. Est-ce que vous avez la rêve, pitié? Non. Pitié, pitié, pitié. Ah. Ah! Thank you very much. J'aurais pu trouver sans toi. Aïe! Ah! Oh putain, il me tape en plus. Non, mais le connard. Quoi? Bah, couillon, je peux pas réduire par contre. Ah non, 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 c'est bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est bon. Attendez, les gars, je vous bascule sur l'écran de jeu, c'est juste pour caler la fenêtre. Ne calculez pas. Vous avez... J'ai pas la ref, comment ça? J'ai... Oui, c'est ça! Elle rote devant mes fans, c'est ça! C'est ça, pitié! C'est trop drôle. Calculez pas, hein, c'est juste je cale la fenêtre, après je rebascule en discussion, on discute plutôt que je fasse mon truc de scotch. Mais que je mette déjà le... La fenêtre à la bonne taille pour que vous voyez proprement. Parce que si je mets le scotch et qu'au final la fenêtre il faut que je la redimensionne, ça sert à rien. Quoi. Elle est pas assez. Moi si. Oh bah elle était bien la fenêtre en vrai, ça passe. Ce qui est chiant, c'est que le truc il est noir, du coup je vois pas si les bords ils sont bons. Ah non, c'est pas bon du côté là. Dodo il est venu, il a roté, il est reparti quoi. Merci de ta présence Dodo hein. Il a même pas dit bonjour. Voilà, c'est bon. Quoi? J'ai pas entendu ce qu'il a dit. J'ai pas entendu. Bon bref. Discussion. Du coup ça dit quoi le sang? C'est parti pour le scotch, hein. Parce que vous me forcez à jouer à DTI. Moi, je vais faire une overdose de DTI. Non, en vrai, sachez que je me suis grave calmée, hein. Je me suis grave calmée sur le jeu. Prumdug.
perso, j'arrive dans une game, y a pas de thème encore. Je vais être sérieux. Je suis vraiment là à faire mon découpage de scotch en stream, sincèrement. Thème is fantasy, bah on saura pas que c'est fantasy. Il se colle plus le scotch, c'est difficile là. Mon dieu. Vous savez quoi, je vais vous mettre en pause. Je vais prendre 5 minutes à scotcher, je vous le dis. Je vous mets en pause les gars. On se retrouve après la pause, l'écran sera scotché. L'écran sera scotché et on pourra jouer à DTI tout de suite. Voilà, comme ça je vous fais pas attendre, d'accord? À dans 5 minutes. Les gars, on est parti. Bon là c'est les votes, on s'en fout. Hein. Le son doit être fort, non? Est-ce que le son est fort? Chez moi il est fort. Je sais pas c'était quoi leur thème. Du coup, moi, j'ai pas défilé. Enfin, je n'avais pas de tenue, j'avais rien. Peu importe. Nous sommes partis. Le scotch est scotché. Et donc, bah... Je joue, donc je vous rappelle, sans le thème. Putain, je voudrais que je le mette dans le titre. Parce que ceux qui vont reprendre, ils vont pas comprendre pourquoi je fais des tenues de merde. Sans le thème. Voilà, je rajoute dans le titre du stream, quand même. Que je me fasse pas juger sur mes outfits. Et donc, ouais, je pourrais pas lire le chat. Quand je m'habille, pour ne pas être spoilée, pour ne pas voir sur le retour. Je vais vous laisser le thème, parce que je sais que vous aviez bien kiffé la dernière fois. Je sais pas parler, moi. Mais je dis, je perds mes mots. C'est une dinguerie. Quand j'avais oublié de masquer le thème pour un défilé, je sais que vous aviez kiffé le fait de me voir galérer et de vous avoir le pouvoir. Donc... Je vais vous laisser vous les thèmes qui vont afficher. Attendez, je cache mon nom, parce que comme je suis en VIP, les gens ils vont pas me voter pour moi, bref. Puis le temps de la pause, j'en ai profité pour ajouter des codes, parce qu'il y avait 3 nouveaux codes avec une tenue, une poupée et puis une paire de bottes. Donc écoutez, voilà. Donc là, voilà, il y a le thème qui s'affiche. Je ne vois pas, je ne vous regarde plus. C'est parti, my god. C'était ultra stressant la première fois, donc là j'ai un peu peur. Bon, qu'est-ce que font les gens? Faut avancer, messieurs, dames, là. Pourquoi tout le monde... Personne ne fait quelque chose, genre... Bougez-vous le cul, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais bah si, comment je suis censée faire si j'ai un serveur de bras cassés, là? Personne ne fait rien. Elle a mis un top rose, elle l'a retiré. Putain. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Par contre, oh, il y a des bugs, non, au niveau de... Quand je marche, ça fait pas des traits. Regardez. Mais non, mais je peux pas m'habiller, la personne ne fait rien. Ah. Non, mais là sincèrement, si personne ne fait rien, je vais changer de serveur, là, je peux pas. Pitié. Attendez, il y a quelque chose. Ouais, par contre, ouais, il y a un bug sur le jeu, ça fait des traits quand je marche. Ah putain, il y a le chat vocal activé, je me disais bien qu'on voyait des trucs dessus, bref. C'est fluo. Ah! Est-ce que le thème c'est pas fluo? Parce que elle est en fluo. Elle s'est mis la peau noire avec des cheveux un peu pétants. Je vois peut-être la vibe de ce qu'elle veut faire. Ou pas du tout. Le thème c'est néon? Non mais franchement, là, que quelqu'un fasse quelque chose, s'il vous plaît, faut m'aider. Hein. Ouais, je pense que c'est néon le thème. En même temps, vu le peu d'informations que j'ai là... J'en ai aucune idée. Je vais faire Marge Simpson. En jaune fluo. Si le thème c'est néon, en vrai, je sais pas. Mais je sais pas quoi faire, personne ne fait rien. Si, c'est néon. Attends, Marge Simpson, elle a une robe... Attends, elle a les cheveux bleus. Elle a une robe verte avec un collier rouge. Ses chaussures, je sais même pas si on les voit, ses chaussures à Marge. My god. Je sais pas dans quoi je m'aventure, mais peu importe.
Ça sera néon, tu vois. Poussez-vous. Pourquoi elle fait une jupe burger, non? C'est un burger, sa jupe. Par contre, mon truc, il est trop court, là. Il n'y a pas... Attendez, ça fait 2 semaines que j'ai pas joué, du coup, je suis super. Je sais plus où sont les trucs, là. Il y avait un collier à perles, avant. Non? Non, j'ai rêvé? Il y avait... Ah, je crois qu'il est en VIP, non? Non, mais je change de serveur, parce que franchement... Si personne ne fait rien, moi je peux pas faire. Je ne peux pas faire. Mark Simpson a une tête comment? Elle a une tête bizarre. Ils sont mes saves. Ouais, ce sera la Mark Simpson. Mark Simpson très cunt. Moi je peux rien faire. Sincèrement, si vous m'aidez pas, les gars, je peux rien faire. Mais j'aurais pas la coupe de cheveux. Ah si, un peu. Ah si, c'est Marge, ça. Oui, c'est Marge. Je suis en train de faire la pire game de ma vie, mais alors, sincèrement. Sincèrement, j'ai déjà fait des trucs pourris. Mais alors là... Elle a une robe rouge, Marge. Non, c'est vert, je suis con. Oh, qu'est-ce que... Oh, je sais même plus. Ça se trouve, c'est même pas ça le thème. Personne ne fait rien. Horrible. Qui m'a envoyé vers ça, c'est horrible. C'est horrible. Mais trop rouge, je crois qu'elle a des chaussures rouges. Un collier rouge, c'est sûr, mais les chaussures, j'ai pas. Il n'y avait pas un collier à... Ah, ça peut être pas mal. En vrai, c'est moche, mais c'est ressemblant. Et c'est néon. Si j'ai bien compris le thème. Encore faut-il que... C'est une tête de bus. Qu'est-ce que je pourrais changer? Le make-up, en vrai, il est là. Le make-up, je suis fin. Non, merde, les cheveux. Le make-up. Enfin, le make-up, il est pas laid, mais sur elle, ça fait bizarre, quoi. Ça fait Simpson un peu. Ouais, pas mal. Pas mal! Non, la marge, elle est marrante. Il me reste combien de temps? 22 secondes. Pas de lèvres, je suis con. Enfin, si elle a des lèvres, mais elle a pas trop de lèvres. C'est ignoble. C'est ignoble. Après, on reconnaît le cosplay, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est terminé. J'ai le droit de vous lire maintenant. C'était quoi le thème, pitié? Vas-y, moi, ça fiche pas. Ça fiche pas. Néon! J'avais trouvé. Franchement, je suis contente. Parce que, en soi, je suis dans le thème. J'ai fait un peu Simpson fluo. Donc, ça va. C'est un peu moche, mais ça va. Bah ça, c'est pas néon. À part ton bonnet, le reste, c'est pas néon. Sincèrement, je suis soulagée. Par contre, je sais pas ce que je vais faire comme pose avec Marge. Hein. Très sincèrement... Ah, c'est moi. Merde, pourquoi je la fais voler, moi je suis con. Est-ce qu'on me sauce? Bah je sais pas. C'est ça, c'est elle que j'ai vue tout à l'heure. Non, en vrai, c'était cute. C'était cute. Heureusement que... Ouais. C'était elle, c'était la bleue tout à l'heure que j'ai vue. Et puis une autre qui avait un truc néon. Mais sinon, franchement, les autres, une heure pour faire une tenue. Hein. Vous êtes pas néon. Vous êtes pas néon. Celle à gauche, elle a pas compris le truc, le thème. Technique de 4 mages pour une deuxième. Toujours tailler la concurrence, je suis. C'est pas néon, c'est pas stealth, ça. On va dire cute. Je sais pas si après je vais en VIP serveur ou en serveur pro, ou je sais pas si vous m'autorisez. Parce que ça serait plus
que les gens y jouent plus sérieusement. Donc pas gagné. Ça me stresse en fait qu'il y ait des gens qui soient en vocal. Sur ça me stresse. Avant-dernière, alors que je suis totalement néon, je suis une Marge Simpson fluo, et j'ai réussi à trouver votre thème, alors que vous étiez toutes nulles. Moi, je me casse. Flora des Wings, c'est pas Marge? De quoi? Comment ça? Ah oui! Quand j'avais gagné avec Flora des Wings pour le thème culture? Non, j'avais pas gagné. C'était quoi? Je sais plus. Attendez, changer de serveur. Ça me stresse qu'il y en ait une en vocal. Allez, c'est quoi? Je teste en VIP, les gars. Je teste en VIP. Ça devrait pas être très bon, les animations incroyables, je vais même être deux, je te jure. Alors, j'ai passé une super soirée, franchement. Ça sera trois. Oh! Merde, j'ai envie de regarder leur thème, là, je joue pas. C'est quoi? Valentine's Heartbreak. Sympa. Sympa, mais j'aime bien le layering. J'aime bien quand il y a beaucoup d'éléments, mais là, c'est joli, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire. Je suis très critique alors que j'ai fait une tenue Marge Simpson au rime. Hein. Ok. C'est quoi? We had a fight. Ah, bah oui. Effectivement. J'espère qu'elles sont pas beaucoup. Enfin, qu'ils sont pas beaucoup sur leur serveur parce que j'ai pas une coltinée une heure de défi. C'est Mimi ça, c'est qui? C'est quoi? C'est un gosselet, un truc connu? Bah, je sais pas. Ouais, on est trois quand même. Parce que j'ai mis trois aux autres, donc on va pas être trop. J'ai un peu froid par contre. Je vais manger, excusez-moi. En fait, tout le monde a fait la même tenue quoi. Je suis con, j'aurais dû essayer de deviner le thème et pas regarder. Bah, avec leur défilé, j'aurais dû essayer de deviner en vrai. C'est un peu basique. Hein. Ah, bien au chaud. Bien au chaud, j'ai mon meilleur outfit pour critiquer ceux des autres. Non, la capuche, ça fait peut-être un peu too much. En fait, ça me saoule parce que je me suis lavé les cheveux hier soir. On dirait qu'ils sont gras depuis 15 jours, quoi. C'est une dinguerie. Ah, les noces funèbres. Corpse Bride. Ouais. Mais il y a un make-up déjà fait. De ça, il me semble. Pourquoi de la panne? Je crois que j'ai les cheveux super gras alors que je les ai lavés hier soir. Ça, c'est joli. Ça, j'aime bien. Join late! Bah, franchement, je peux te mettre 5. Ah, ça clash, attendez. 5. How is that 5 but mine isn't? Because. Il y en a qui pète le seum. Hein. Mais même là, il y a du vocal. Et vous me stressez avec votre vocal là. Qu'est-ce que vous avez tous? Bon, c'est bon. Nous sommes prêts. On se concentre, je peux vous lire, après je vous lis plus. J'aime bien le ressort du lot en bleu, ouais, c'est sûr que ça contrastait avec les autres. Elles étaient toutes en rouge les autres, alors c'est sûr que ça changeait. Concentration, 40 secondes. Ah bah c'est des petits billets, parce qu'on a plus beaucoup de souffle. En bas, il y a moins de bugs, mais c'est trop moche. C'est pas grave. Allez, 9 secondes. Non! C'est trop dur celui-là pour avoir les billets. Ah, super. Ah, mais hey, je n'en arrive. Laisse tomber, allez. Jouez bien, s'il vous plaît. Hein. Mais tout le monde est en vocal. Il
Jouez bien s'il vous plaît. Attends, ça prend le saut de bonbon, ça le repose. Je recache mon truc. Alors, tout le monde veut en VIP déjà. C'est un truc spécifique. Pirate ? Pirate. Pas pirate du tout. Pique-nique. Pique-nique, elle va recolorer elle. En rose. Soit pique-nique, soit un truc. Mais il y a beaucoup de rose, j'ai l'impression. L'autre était tout en rose et l'autre était en train de recolorer en rose. Prenez encore plus votre temps, s'il vous plaît. Je vais refaire un tour là-bas et puis si jamais ça reste dans la vibe de tel. Ah non, gothique ? Gothique Lolita ? Gothique Lolita, non ? Si, c'est ça, gothique Lolita. C'est ça. Gothique. Putain, je sais. Si, je pense que c'est gothique Lolita. On va faire ça, on va faire ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Qui me duette là. Non, 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 mais je suis même pas dans le thème, faut pas me mettre en duo. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'en sais rien moi. Je prends trop de temps à réfléchir alors qu'il me reste 3 minutes 30. Hein. Je fais trop la folle. Hein. On va dire que c'est gothique Lolita. Les cheveux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bordeaux. Les couettes sans fond, voilà. No bang. Voilà. Comme ça. Bordeaux, c'est un peu moche. Je voudrais une frange, mais plus jolie. Ça. Oh, cute. Ouais, on va dire que c'est cute. Elles étaient toutes en train d'utiliser. Quoi ? Mais c'est plus gothique. C'est pique-nique. C'est pique. Pourquoi elles étaient toutes en noir les autres là tout à l'heure ? Mais putain ! Bah je vais faire pique-nique en gothique Lolita, qu'est-ce que tu veux que je te dise maintenant? Mais qu'est-ce... Pff, vas-y, elles m'ont induit en erreur aussi, elles sont toutes en noir là. Chier. Oh là 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 là. Pas possible. Qu'est-ce que j'ai foutu une salopette, non? Non, elles sont toutes... Non, ça c'est... C'est Lolita, petit chaperon rouge. Que... En fait, mes cheveux sont ultra moches, je viens de réaliser. C'est horrible. Je sais pas, je sais pas. Non, noir. Non, faut mettre pattern. Ça bordeaux. La dentelle blanche. Et ça blanche, je sais pas c'est quoi. Le haut. Ah, c'est une forêt du noir quand même. Ça bordeaux. Non, ça blanc. Ça bordeaux. Et la dentelle blanche. Non, ça bordeaux et le truc d'avant blanc. Oui. La jupe. Je vais être hors thème, mais bon, c'est de leur faute. C'est pas mon souci. Non, mais sincèrement aussi, là, fallait réfléchir. Moi, je vois pas les thèmes, messieurs, dames. Si vous commencez à faire des trucs. Ma coupe, faut que je pense que j'aurai pas le temps de la changer. Mais... Je vais être hors thème, mais c'est pas grave, je serai belle. Putain, on va commencer avec le monsieur. Je suis grave belle. Juste calculer pas les cheveux. Quoi. C'est rococo le thème ? Me dites pas c'est rococo ou un truc comme ça. Hein. Parce que alors là, vous êtes loin. Hein. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Je suis en train de me demander, c'est pas des gens qui captent que je cherche le thème et du coup ils me trollent, sincèrement. Non, c'est Lolita. C'est Lolita. C'est... J'ai l'impression que personne... Enfin... Tout le monde a une vibe similaire, mais c'est pas la même chose à chaque fois, donc je sais pas... Mais Veuge, ça va pas du tout. Enlève cette coupe horrible, ouais. Ça dégage. Faudrait un petit truc sur la tête, un petit truc memes.
qu'est-ce qu'on pourrait foutre. Oh, c'est trop... Ils l'ont rework, ça. Il était pas comme ça avant. Ah, ils l'ont trop bien fait. Bah, je suis un peu basique, hein. J'ai pas fait grand-chose. Après, j'aime bien ma tenue. Les gars, c'est quoi, pitié? Petit chaperon rouge en Marie-Antoinette pour cottagecore. Quoi? C'est cottagecore? Je vous mets tous une étoile, ils m'ont cassé les couilles. À boire, merci, j'avais soif. J'ai plus à boire. Pourquoi cottagecore, il y avait des personnes qui se sont mis en noir? Et Nen qui était en rouge foncé, Bordeaux, petit chaperon rouge. À quel moment c'est cottagecore? Ouais, mais du coup, je suis hors thème de chez hors thème là. Oh, oh là 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 là. Qu'est-ce que vous aviez sorti? Oui, je joue sans le thème du coup. Hein. Pour ceux qui n'aviez pas compris. Non mais ça c'est pas côté de corps, sincèrement. Sincèrement. Qu'est-ce que je vais faire comme pose, moi? Non mais, sincèrement, c'est très joli. C'est très joli, mais c'est pas du tout cottagecore. La robe à la limite, mais tout le reste, elle a la peau blanche porcelaine, elle a des big veux chez tous, ça fait pas cottagecore. Il y a un côté très Lolita, moi, je trouve. Hein. Les tenues font plus Sweet Lolita et Gothic Lolita que cottagecore. C'est trop... Il y a trop de trucs, c'est trop accessoirisé, c'est trop... Non, c'est too much. Je suis professionnelle de la mode, écoutez-moi. Non, ça fait plus Lolita. D'où mon erreur. My god. Même chercher le thème, ouais, je crois bien. Là, c'est moi. Ma tenue... Bon, ma tenue est simple, mais sympathique, mais pas du tout dans le thème, quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire comme pose? Ça va me dire que je suis hors thème, c'est ça? Premier coup, sa gueule, franchement, là, je rigole pas du tout avec vous dans votre chat. Non, personne m'a rien dit, très bien. Je parle pas à vous, hein, j'ai le chat, je parle à eux. That's Darkcore XD. I'm playing without seeing the team et vous êtes trop nuls. Allez, on va être and y'all sucks, ça va pas passer. Oh, c'est... Oh, faut que je me casse. Censuré. Bon, attends, 2 minutes 40. Je pensais pas que le message allait passer. Mais attends, mais franchement, t'écris n'importe quelle connerie, c'est censuré. Enfin, n'importe quelle connerie, non, justement, t'écris Prumdog, c'est censuré. Là, j'écris de la merde, ça me censure pas. Ok. Noël. Ça, c'est Christmas. Non? Après 2 minutes, j'aurais pas le temps, j'aurais pas le temps. Noël et un chat bleu. Ah non, elle c'est une pirate. Elle c'est une pirate. Non mais sincèrement, mais personne n'a le même thème ou quoi? Il y a un ange qui passe. Un chat bleu, une go avec les couleurs de Noël. Un ange, une pirate. C'est bal costumé. Je suis censée faire quoi, moi? Qu'est-ce que c'est? Non, ça doit être bal costumé. Mascarade, c'est ça? Mascarade? C'est ça le thème? Halloween? Ils sont en costume d'Halloween? Ils sont en costume d'Halloween? Ok. Si c'est Halloween, ok. On va copier l'autre parce qu'elle a fait un ange, on va faire un ange noir. Tant pis.
Tant pis. Moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de réfléchir. Voilà. Me dis pas que je t'ai copié. C'est bon, j'ai juste pas le temps. Je la vois s'approcher. J'aurais pas dû mettre les ailes dès le début parce que j'aurais. Je vois rien du tout. Je sais pas si je fais la peau noire comme ça. Non, rouge. Ah, foutre rouge, hein, foutre tous les vêtements noirs. Hein. Ça peut être. Ça peut être. Je vois rien avec les ailes de merde. J'aurais pas dû les mettre tout de suite. Oh bordel, y'a quoi là-dedans qu'on pourrait foutre? Vite, ça. Bordeaux. Non, ça noir. Bordeaux. Ah ouais, c'est bien ça. J'aurais jamais le temps de faire un truc entier. Au pire, je fais la tenue entière là-dedans. Il me reste 30 secondes, allez voir, on est fini topipo. Quand bien même, je sens que le thème sera pas du tout Halloween. Je sais pas, je sens la couille. Mais là, personne n'a le... un truc similaire, je comprends pas. Je sais pas ce que je pourrais foutre, ça me fait stresser. Y'a rien à mettre là-dedans en fait. Non mais on est finito là. C'était quoi pitié? Elle va péter son crâne en voyant le thème. C'est quoi? Retirer internet à ces gosses, c'est quoi ce bordel? Mais... Bah, pff, là, franchement... C'est dur. Ah là, je... Qu'est-ce que ça dit dans le chat? I'm a street worker. Quoi? T'as à 11 ans sur Roblox, tu fais des... Mais ça va pas? Ça va pas? Ah, désolé, hein. Text chat, avatar. Ouais, ça. Comment on signale? C'était Lorraine. Je sais pas que j'en ai fait. Des teen sex à l'époque. Mais zinzin! Pouf! Je me demande réellement si la personne a pas un ange protecteur secret. Ah, c'est possible. Mais alors là, le I'm a street worker, je. Je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais pour la match d'Halloween, ils avaient foutu un hot dog. Un costume de hot dog, sauf que les gens arrivaient à le détourner avec des accessoires pour que ça pouvait faire une bite. Ils ont retiré le costume de hot dog. Ils ont ensuite remplacé par un costume de cupcake. Les gens avaient réussi à faire des vibros, vous savez, des vibros en forme de rose. Ils ont dégagé le cupcake. Genre, c'est un jeu pour enfants. Qu'est-ce que tu viens faire ça? On va changer de serveur encore. On va changer de serveur. Bah voilà, Victoriane, bah voilà. Au bout d'un moment... Que personne ouvre sa gueule. Hein. Que personne ouvre sa gueule dans votre chat. Ah là, je... Victoriane. Je suis... Tu respectes ton propre thème, c'est bien. J'ai même pas le temps de finir. Quoi, speedrun? Quoi? I only have 1 minute. Ok. C'est quoi ma vie de 5 étoiles? Personne n'a respecté le thème, donc est-ce que je vais respecter les votes? Non. Ah là, je suis. C'est tout match. Hein. Je crois que le cupcake est toujours là. Ah bon? Ça, faut que j'aille voir. C'est une dinguerie. Hein. Ah! Well. Après, est-ce que j'ai mal compris? Non, ça se trouve, il y avait un contexte, j'ai pas compris, non? I'm a street worker, get it. J'avais bien compris. On a compris la même chose ou pas du tout? Sauf que j'ai signalé pour rien, la go, mais moi je trouve ça, non?
Est-ce qu'il y a une rêve que je n'ai pas, s'il vous plaît? Je désolée. Attendez, je remets mes écouteurs, mais alors là, c'est trop d'émotion. Alors là, les... Waouh. C'est stream et chaotique, hein. On a compris pareil, je trouve. Bah ouais, je pense. Ouf. Bon, allez, s'il vous plaît, là, les VIP, faites un effort. Les VIP, appliquez-vous, parce que là... Ah, moi, je peux plus, hein. La pause qu'elle a faite, oui, avec la pause, en plus, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Streetworker de l'époque victorienne, oui, possible. Mais ça reste quand même un costume, un cosplay de prostituée dans un jeu pour mineurs, c'est quand même un peu bizarre, non? Que ce soit l'époque victorienne ou pas, peu importe. Hein. Bon, c'est parti tôt, je regarde pas le thème, j'ai presque plus du jus de pomme. Je suis déjà à bout, les 20h30. Que dire? Je ne sais plus quoi faire. Allez, on se concentre, s'il vous plaît. Hein. Dans le serveur, on se concentre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On s'applique. Il y a plein de gens qui rejoignent. Ok. Ah. On joue sérieux. Je ramasse des billets. Tant que les gens s'habillent, hein, je peux m'occuper. Deux encore. C'est cottagecore encore? Peut-être tu t'habilles en gothique Lolita avec une jupe noire, c'est ça? Monsieur, ça va? C'est inquiétant. Mais tout le monde s'est barré ou quoi? Et on était 10 il y a 5 minutes, il n'y avait plus personne. Personne ne fait rien. Ça peut être tout rien, ça me saoule. Les œufs ont pris une chemise blanche et sont habillés en noir. Serveur ? Non ? Y a un thème, Stewart ? Putain, peut-être. Ça se trouve, c'est ça. Ouais, elle aussi, elle a mis une chemise. Ouais, vas-y, ça doit être Stewart ou un truc comme ça. On va faire un truc genre Stewart. Blanc. Un bleu comme ça, ouais, c'est pas mal. Tac. Il faudrait une jupe crayon. Mais je sais plus où sont les objets, moi, c'est ça mon problème. Je ne sais plus. Viens, il y a une jupe crayon là-bas, je crois. Vous pouvez l'évaser la jupe là, je sais même pas. Ouais, c'est sérieux. Tac. Est-ce qu'on pourrait foutre en chaussure ça? Un peu luxe. Putain, ça pour ça passe à rentrer. Ouais. Qu'est-ce que. Mais les gens sont lents, ma parole! Ils ont mis 3 minutes pour foutre une chemise, quoi. Ah! Chic. C'est chic et tout le monde s'est mis en noir, donc je vais me foutre en noir. Putain. Il me reste 40. Putain. On va prendre un make-up déjà fait. J'ai dans mes save avec la peau. Voilà, comme ça moi je gagne du temps.
Je sais pas, on dirait un truc genre chic. L'autre, elle avait le chignon, je crois, mais... J'aime trop le chignon, là, en vrai, je vais pas foutre en faire une blonde. Comme ça. Je sais pas quoi faire, là. Mais pourquoi t'as un maxi chapeau? Je comprends pas. Par contre, les lunettes, j'en mets jamais, c'est grave pas con. Plus j'ai mis des lunettes aujourd'hui, je me permets. Voilà. Pourquoi elle a un doudou? Elle encore, il y a la vibe. Mais pourquoi elle a un doudou, genre? Qu'est-ce que je pourrais prendre dans mes cheveux ou un truc? Je fais des bijoux, non? Non, en bleu. Le bleu que j'avais pris tout à l'heure. On s'en fout quand même, c'est des bouts d'oreilles, personne ne va les voir. Qu'est-ce que je... Une écharpe? Non, ils ont pas d'écharpe. Bah là, je fais mi-serveuse, mi-hôtesse de l'air, mi... Mais j'ai pas compris pourquoi l'autre... Comment elle est habillée, elle? L'autre, elle a un doudou. Quoi le thème s'il vous plaît? Quoi? Mais pourquoi l'autre elle avait un doudou? Pourquoi Lago avait un doudou dans les mains? C'est une vraie question. Oh là 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 là. Non mais là par contre si le thème est boss. Baby boss. Ah. C'est horriblement laid. Pardon. Bon si tu veux. Si tu veux. Putain j'ai qui pleure. C'est les conneils du Victorian de tout à l'heure moi qui est mon... Ah ça m'a scié. Ça, j'ai encore une larme. Ça m'a scié. Bon allez, on va voter sérieusement. Allez, allons-y. Ah bah, j'allais dire dans le thème, c'est moi. Excusez-moi, qu'est-ce que je peux faire comme pause? Trashy. Je suis pas mal. Je sais pas, il y a eu des hashtags, donc ça se trouve on m'a insulté. ouais, sympa, on va mettre 3. Peut-être un peu trop d'éléments. Qui... Bon, ça va quand même, ça va, sympa. Hâte de voir la rediff pour le thème Victorian, ça a été d'avoir... ça a l'air d'avoir été un concept. Ah mais là, c'était... C'était le pire. Elle est dans le thème, c'est d'elle que je me suis quand même vachement inspirée quand même. Soyons honnêtes, je l'ai copiée de fou. On va le mettre... Non, j'aurais dû mettre 5. Ouais, elle est dans le thème, elle, en vrai. En vrai. Non, ça va, il y en a qui respectaient le thème quand même, mais il y en a qui ont fait des trucs un peu alambiqués. Ce sera jamais pire que le thème Victorian, mais... Je peux être podium en vrai. Bah, je suis pas podium. Je pense que j'aurais mérité la 3ème place, à la place de l'autre. Ah, je suis 5ème quand même. S'il vous plaît, hein. Je n'avais pas le thème sous les yeux. Je trouve que j'étais pas mal. Enfin, plus que boss, ça fait un peu genre directrice de collège-lycée, non? C'est Faragonda Yassified. Je sais pas. C'est Faragonda chez les Bratz, vous voyez? Mais il y avait la vibe. Mon dieu. Tu méritais large podium, merci beaucoup.
Oh my god, super Dani. Putain, imagine tu fais super Dani dedans. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est pas Sylvie avec les lunettes rouges là. Mon dieu. Ce serait drôle. Je crois que j'ai plus à boire. Tu vois, j'ai l'œil qui coule de fou alors que j'ai pas de lentilles là. Ça me saoule un peu. J'ai pas de lentilles, j'ai l'œil qui coule de fou. Après, j'ai plus de goût pour les yeux là. Je les reçois fin de semaine. Mais du coup, ça me fait une stress. Scout chic. On va attendre, hein. Je me permets. Il me reste 2-3 bretzels. On regarde ce qui se fait. Mais vu que les gens sont de tension. Allez, on se presse pas trop. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a énormément de gens qui, au début de la partie, pendant 30 secondes, 1 minute, ils restent comme ça à planter leur perso. Je suis en mode, vous faites comme moi, vous jouez sans le thème, vous regardez les autres, vous faites quoi? S'il vous plaît. Coco, tu sais comment limiter la trace de lunettes sur le nez avec le fond de teint? Pas du tout. Donc, je sais pas. Là, j'ai mis du fond de teint. Je sais que ça va transférer de fou, ça a déjà dû transférer. Ouais, ça commence à transférer. En été, si je sais que j'ai porté beaucoup de lunettes de soleil, notamment, bah, je mets rien au niveau de la zone là. Franchement, j'ai aucune solution. Je sais qu'il y en a qui mettent de la base à la paupière pour les yeux. J'ai essayé, je trouve que ça transfère quand même. Donc en vrai, il vaut mieux aussi juste de rien mettre. Attends, il y a la schtroumpfette. Oh, non. Hein? C'est quoi le lapin bleu? C'est... Attends, il y a une ref, il y a une ref là. C'est quoi le lapin bleu, Coralie, réfléchis. C'est quoi le lapin bleu? Je suis con? C'est Game Night. L'hôtel est sur son ordi, elle geek, non? Elle fait un cosplay d'un truc. Et ça me paraît évident, mais j'ai... Je sais pas. Duracell. Bah, je sais pas. S'il vous plaît. Mais y'a personne dans VIP. Dinguerie. Ouais, sacrée ambiance, hein. Je crois qu'on est 3 dans le serveur. Pardon, 4. Ils sont en Jogo. Non. Jean large. L'autre a son ordi. Détente. C'est détente là. Mais j'essaie de comprendre pourquoi il y avait un putain de lapin bleu. Hein. Attends, s'il y avait toujours le cupcake. Ah ouais. Ah ouais, putain, ils l'ont laissé le cupcake, je savais pas. Je croyais qu'il l'avait retiré. Bah, présumé de 50, bah écoute, je vais faire comme les autres, je vais faire un Jogos, mais c'est quoi, c'est pyjama, c'est détente, c'est game night, c'est tu geek, je sais, qu'est-ce que tu fais? I'm gonna be AFK, everyone, t'as besoin de prévenir, on s'en fout. Hein. Oh là. Qu'est-ce que c'est? Bon, on va faire un pige, puis on va faire comme les autres, on va prendre le MacBook et le téléphone. Hein. Short oversize. Ah, du coup, on a plus trop le short. Non, les baquettes. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais rien. Tac. Putain, franchement, je sais pas ce que je fais. Ah, détente. Elle a le. Oh, c'est moi. Le petit jogging Justy Couture avec la Switch rose, c'est moi. C'est pyjama le thème. Non, c'est pyjama. C'est simple. Il y a quoi dans les coupes masculines? Qu'est-ce que c'est? Depuis quoi il y a ça? On dirait la coupe du gars, le méchant dans Barbie Princesse des Cœurs là. Putain, c'est lui. Bon, qu'est-ce qu'on va faire en coupe pyjama? Bon, on sait rien. Petite queue de cheval. On va faire les cheveux bordeaux. Ah, au fait, je vous ai pas dit. Je peux vous le dire à vous? Non, je sais pas si je peux vous le dire. Ça me casse les couilles, les cheveux rouges, ça y est. Voilà, c'est annoncé. Donc, j'ai peut-être repassé sur ce que j'avais avant. C'est-à-dire le split hair. C'est-à-dire que je vais devoir me griller les cheveux, mais c'est pas grave. Voilà, ça m'est passé, c'est bon. L'idée est venue, elle est repartie.
Voilà, vous êtes les seuls au courant. Pour ma défense, les cheveux rouges ne veulent pas de moi, ça tient pas. Donc, moi, tu me diras, ça sera pas compliqué à faire partir. Il est pourri mon pyjama. D'habitude, je fais des beaux pyjamas et tout, mais là, comme j'ai perdu du temps, je sais pas quoi faire. J'aurais les guêtres. Elles sont là. Mec, y a pas le doudou, il est pas là. Ah, attends, y a une petite poupée qu'ils ont rajoutée. Oh, la poupée. Non, elle est Mimi. Oh, c'est Mimi. Oh, Dolly. Attendez, on va faire la poupée. Body, blush, dress, to impress. Haha. Tête pink. Hair. Une petite blonde. Oh, elle fait peur. C'est pas grave. Attends, faut que je recolore mon truc. Il me reste 16 secondes, j'ai rien fait. Oh, j'ai rien fait. Attends, l'iPhone en blanc. Le t-shirt, il faut un pattern. Il faut un truc, un petit pattern qui fasse pyjama. C'est horrible. Putain, je voulais cliquer sur le léopard rose. Pourquoi je suis first up? Y'a plus personne dans la game ou quoi? Game night. C'est ce que j'ai à dire. Bah, game night, écoutez. Ça peut te rassurer même avec le thème, vu qu'on va prendre un lapin bleu. Mais je pense que c'est pas un truc de cosplay le lapin bleu. Quelqu'un avait la ref ou pas du tout? En vrai, de vrai. Elle est trop forte, mais j'aurais paniqué. J'aurais fait Brigitte Macron, quoi. My god. Mais tout le monde se barre? Ça a bugué ou quoi? Bonnie de... Ah, ok. Five Nights at Freddy's, d'accord, merci. Oh, étirement, merci. J'attendais que ça. J'ai mal au dos depuis ce matin. D'accord, merci pour la ref. Mais du coup, elle a pas défilé là. La personne avec le juicy, je crois, elle a sauté, elle est partie. Hein. Désolée, j'attends le linge en même temps, MDR. T'inquiète, étends bien ton linge. En vrai, elle, j'aime bien la tenue, mais Ça fait pas trop de game night, mais je sais pas, j'aime bien la vibe. J'aime bien la vibe, je sais pas. Y'a un truc que j'aime bien. Comme j'aime bien. De toute façon, on a pris une Switch, quoi. Join late. Ah, mais attends. J'ai défilé la première. C'est-à-dire que j'ai même pas l'excuse, je peux même pas inventer une connerie en mode ouais, j'ai rejoint tard. Bah non, t'as défilé la première, donc c'était la plus ancienne sur le serveur là. Tout le monde s'est barré tout à l'heure. Non, la première, j'aimais bien. Après, j'ai mis 5 étoiles, c'est pour ça qu'elle est première. Les gens ont pas dû voter. Ouais. Ah, si, quand même, un peu. Là, je suis 5ème, tu vois. En même temps, mon truc est pourri. Hein. Franchement, ma tenue est pourrave. Coco! Non, mais dépasse pas, toi, connasse! Bien fait! Karma, il s'occupait de toi. Je marche doucement, mais sûrement. Mais non, mais dégage! Mais non, mais elle va me voler tous les billets! Attends, je suis tellement lente, tu vas me dire, le chrono il va se terminer, j'aurais pas encore atteint les billets. Oui! Allez. Il y a du make-up par ici. T'as rien fait, toi. On nous fait une robe de soirée, là.
Mm-hmm. Mais encore. Soirée. Ça doit être un thème simple, je sais pas. Soirée. Ouais, ils ont toutes des tenues un peu de soirée. Tout ça. Ouais. Chic. Bah, je sais pas, ça se fait un peu comme la vibe des autres là, ouais. Ouais, éventuellement. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire faire du livret avec ça. Ouais. Est-ce qu'on a pas un motif sympa de chic quoi? Une robe un peu en mode Vivienne Westwood. Ça va ressembler à rien à la forme, mais j'ai la vision. Je suis seule à avoir la vision, je crois. Ah non, il y a une vibe! Il y a une vibe Vivienne. Je sais qu'elle sont en mode chic, mais écoutez, je vais faire une robe, voilà. Non, noir, le nœud et la rose rouge. Ouais. Il y a une vibe. C'est très chic. À mon avis, je suis pas assez chic. C'est très très chic. Non, là, il y a une couille dans le pâté. Là, je suis hors thème là. Elles ont toutes pris le truc à moumoute. Ah, mais elle est en micro short avec des guêtres. Y a un problème. Y a un problème, messieurs dames. C'est pas grave. Moi, je reste sur ma vision. J'ai ma vision. Laissez-moi. Pas. C'est génial. J'ai des idées, mais en fait, c'est pas non. On va essayer de faire Vivienne Westwood chic. J'ai l'œil qui perd, c'est insupportable par contre. Qu'est-ce que je peux. Oh, le bustier, il est pas mal là. Non, on voit pas. Les manches, ça. Non. Ah, les bottes là, c'était mieux. Je suis super lente. Il me reste qu'une minute, j'y allais en paix. Faire un make-up et une coiffure. Non mais c'est un thème chic genre gala, royauté ou je sais pas quoi, mais c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Je vais être hors thème en vrai. En soi, il y a quand même moyen que ça passe, je pense. Mon make-up il passait. Je pourrais foutre sur la tête. Ah, un berry. Oh non, putain, la frange elle nique tout. Non. Putain, la frange de merde. Putain, je peux pas enlever. Oh putain. Bon, c'était chic à la con, c'est ça le thème, les gars? Ah bah c'est moi qui passe en premier, donc j'en sais rien. Téléno. Quoi? Foutez ma gueule.
Mais personne n'était habillé en telenovela. J'étais persuadée que c'était un thème chiantos à mourir et que c'est juste habillé chic. Ah putain, si, j'ai la vision. 3 étoiles. J'étais bien hors thème. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a eu la volonté de... Ah bah là, il y a eu un petit copiage, non? C'est quelqu'un de connu? Teresa. C'est dans quoi Teresa, les gars? Les gens dans les serveurs jouent tellement aléatoirement, c'est ouf, je te jure. Je te jure, je te jure. Non mais je pense que je vais mettre une petite pause les gars et je vais continuer à jouer sans thème mais je vais vous mettre le lien et je vais jouer avec vous. Telenovela, pourquoi t'as une... Pourquoi t'as une citrouille? Ça peut être l'épisode spécial Halloween, y'a pas de soucis. Hein. J'ai joué sans thème les gars et je jouerai avec vous. Je pense que vous allez peut-être plus jouer comme Doug. C'est possible de baisser un peu la musique, pas de soucis. Pas de soucis. Attends. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai baissé à moins 5. Ou encore un peu, tu me dis. Hein. Je suis désolée. J'ai rempli mon album Pinterest de photos de skits. Encore Alex. Teresa, c'est l'héroïne de la telenovela du même nom. D'accord, ok, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout. Mais là, ça fait un peu too much, non? Ça fait thème mascarade ou je sais pas, mais pas... Là, ça fait un peu cliché quand même, le masque et tout, ça fait too much. Hein. Ça, ok. En fait, les tenues sont un peu clichés, mais bon, ok, je vois la vibe. Excusez-moi, on les voit tous avec le moumoute sur les bras et tout, des grandes robes et tout, mais je me suis dit, c'est chic. Je sais pas, je m'attendais à un thème nul en fait. Bah, je suis pas dans le classement, mais c'est normal. Il faudrait quand même un thème pour des feuilletons français. Et mon fait qui? Joséphine Ange Gardien? Je suis dernière? Non. Tu te fous de ma gueule, je suis quatrième. Mais non. Mais j'étais hors thème! À quel moment ma tenue elle fait téléno? En vrai? Non, ça. Ouais, non, ça passait un peu quand même. J'aimais bien ma tenue, juste j'aimais pas les bûches, ils allaient pas. Comme ça, on va dire. Ah, c'est encore pire. Mais ouais. Bon, ça passe. Ça passe. Et les gars, je pense que je vais vous mettre sur pause. J'ai le nez qui coule, j'ai l'œil qui pleure. C'est une dinguerie. Quand je reviens, on joue sur mon serveur privé. Je continue à jouer sans le thème, les gars. Hein. Mais je joue avec vous. Parce que là, le niveau est d'une médiocrité. Moi, je ne peux plus. Hein. Je ne peux plus. Donc, je compte sur vous. Je vous laisse le 5 minutes, le temps de la pause, vous allumez Roblox, comme ça je vous donne le lien après. Je compte sur vous pour jouer Prom Dog et ne pas me troller, hein. D'accord? Parce que moi je vais regarder vos tenues pour faire la mienne, donc me trollez pas les gars. Hein. Vous avez pas intérêt. Bon allez, à tout de suite. Petite pause. Ils sont super forts à chaque fois, moi. Alors, je suis dans le serveur privé, c'est bon. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Si je vois qu'il y a trop de monde, si vous êtes plusieurs à me dire que vous êtes sur la file d'attente, au pire je restarterai le serveur plusieurs fois. On verra bien. Normalement c'est bon, t'as mis 4 jours. 2. Comment ça j'ai mis 4 jours? Quatre joueurs. Où ça? Non, c'est minimum 4 joueurs pour que la partie se lance, c'est pas... Non, c'est pas ça Alex, tu m'as fait peur. Je suis en mode comment ça? Je me bloquais dans le serveur pendant 4 jours. C'est finito. Bon les gars, juste s'il vous plaît, si vous êtes dans le serveur, n'écrivez pas de message quand vous faites la tenue. Coucou, oui voilà, écrivez pendant les pauses, je m'en fous, mais n'écrivez pas le message pendant la partie, genre pour spoil ou quoi, genre s'il vous plaît, on joue Prom Dog, moi, enfin, vous pouvez voir le thème, c'est pas mon problème, vous pouvez jouer Prom Dog, c'est même mieux, ça m'aide, mais moi je vois pas le thème, donc silence. Allez, c'est parti tôt. Essayez d'aller vite, s'il vous plaît, rendez-moi service. Allez vite pour choisir vos tenues. Sauf je suis dans la merde. Néganette. Néganette. Chaussette. Néganette. Il veut plus de moi.
Mon chien ne veut plus de moi. Mon chien ne veut plus de moi. Des galettes ! Dodo, il est où, Negan? Moi, je vous attends. Hein. Ouais, il fait la sieste. Dépêchez-vous! Faites la tenue en 5 secondes, s'il vous plaît, comme ça, après, je vous copie. My god. Petit jogging fluo, oui. Je vais tous vous stocker, ça va être très gênant. Y a personne ici, non. Si. Ah, dans les codes. Ok. Ah putain, je les voulais trop les trucs là, mais c'est de la saison Bratz, non? Les trucs sur les cuisses là. Ouais, je crois. Ok, résiste sur les bras, ok. Pourquoi guitare? C'est Visual Kei, le thème? Attendez, je vais regarder les autres. Ah merde, là qui vient d'arriver. Oui, Negan, viens m'aider, vite, viens m'aider. Venez m'aider, mon chien. C'est quoi le thème? Regarde l'écran à côté, dis-moi. Dis-moi, Negan, dis-moi. Oui. Bah attendez, c'est un moment donné, il y a une guitare. Moi, j'aime trop la guitare. Dans cette update, j'adore la guitare. D'accord? On prend tous la guitare? Bah, moi je fais comme vous, hein. Y'a pas de soucis. C'est un de mes objets préf. Y'a pas de soucis. Je pense que c'est Visual Kei. Hein. Les cheveux et le make-up fait très Visual Kei. Hein. C'est quoi, je vais pas trop sur ça. Attends, il me reste 3 minutes. Oula, on est dans la merdasse. Qu'est-ce que. Non, ça va pas. On va changer un peu le make-up, là. Une mouche grise. Ah ouais. Tac. Ça, qu'est-ce que j'ai fait au niveau du... Non, les yeux, on va les changer. Rouge comme ça. Ouais. Ça, on va foutre en gris. Ouais. Et on va foutre ça. Ouais, c'est pas mal. Après, il faudra des fossiles et tout, mais j'ai la vision. Je pense que c'est Visual Kei. Les fossiles... Tac. En tout cas, merci d'avoir été rapide pour commencer votre tenue. Vous m'arrangez bien. Y a pas du tartan. Si. Comme ça ou rouge? Non, comme ça. Non, on va foutre ici et l'intérieur, on va foutre noir. Ça, on va foutre en bordeaux. Non. Non, en noir aussi. Ça, on va foutre en bordeaux. Je le vois pas. Et ça, on va foutre en bordeaux aussi. Yes. Je sais pas, j'ai la. Ah, oh, j'aime bien! Tac, ça pour les earrings, à un moment donné ça va servir. Ça. On peut pas avoir que la jupe. Ah non, putain, on est obligé d'avoir le corset avec. Chier. Non, on fout en noir. Corset front. Le pattern. On peut pas foutre le pattern. Si, support pattern, c'est bon. Trim. Merde. Mais oh! Il me reste qu'une minute. Non! J'en ai marre. Je peux jamais faire des beaux trucs. Lace. Ah non, tout en bordeaux. Accent. Tout en noir. Ouais, non. Ça, je voudrais la jupe, mais ça, on peut pas avoir que la jupe. On peut pas avoir que la jupe de ça. Putain, en fait, c'est trop moche ce que je fais. Oh, j'avais trop la vision, au final, c'est trop moche. C'est trop moche. Oh non! Sauf qu'en plus, une fois j'avais joué en free play, c'était juste après la mage, j'avais fait une tenue genre Visual Kei, elle était trop belle la tenue. Putain de merde. C'est pas forcément. C'est pas Visual Kei? Rockstar? C'est ça? Où les chaussures que je voulais, la merde. Là, elles sont là, putain. Non, elles sont là, en dessous, Coralie. Là, non. Mais. Ah, oh, putain. Compliqué à dos, hein. Non, on va foutre en noir, on va foutre juste les lacets rouges. On va dire que c'est bon.
Ah mais j'ai pas de cheveux moi. Merde. Putain, j'ai pas de cheveux. Oh non la con. Oh non la con. Putain. Masculine, il y avait des trucs qui faisaient visual kei. Même si c'est pas le thème, tant pis, je reste sur mon truc. Hein. Non, les mèches, on va les foutre blanches. Ah, mais c'est horrible. Non, noir et les mèches blanches. Noir et les mèches blanches. C'est trop moche. Putain, j'avais la vision, en fait, j'ai plus la vision du tout, là. Putain, j'ai même pas recoloré la guitare, sérieux. Oh non, c'est... Oh, c'est trop laid, ce que j'ai fait. C'est trop laid. C'est quoi le thème? Popstar versus Rockstar. Ah ok, ça va. Je fais quoi comme pose? Moi j'en sais rien. Voilà. C'est tout. Non, j'aime pas ma tenue Samsung. C'est pas grave. En vrai, ça va, j'étais pas trop loin. Est-ce qu'il y a du... Il y a du monde en file d'attente ou pas? Parce que je peux avoir le nombre de personnes. J'arrive pas à rejoindre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur file d'attente et qui peuvent me dire il y a combien de personnes devant eux? Qu'on sache à peu près s'il faut restart dans longtemps ou pas. Pose warm, c'est la meilleure pose, je crois. J'ai tellement bug au début, j'ai eu que 2 minutes en vrai. Ah merde! Merde! Ah bah attendez, faut que je vous note en plus, putain! Je suis pas avec les connards du serveur. Lambda! Où les gens jouent. Depuis tout à l'heure, j'ai cliqué en direct quand elle a mis le lien, mais ça m'a envoyé vers le site d'ETI au lieu du jeu. Ah bon? Est-ce que t'as déjà ouvert le jeu ou pas? Oh! Putain, avec les cornes et tout, c'est trop beau. C'est trop beau. T'as mis 1-1 à une personne. Oui, parce qu'au début, moi, j'avais pas calculé. Non, mais franchement. Ça va, j'étais pas loin du thème. Hein. J'étais pas loin du thème. Hein. Popstar versus Rockstar, ça va. Putain, c'est vrai qu'il y a la guitare là en plus. Elle est dans les codes, celle-là, je crois. Par contre, j'ai l'œil qui pleure de fou, genre ça me saoule. Putain, vivement, je sauve mes gouttes. C'est Billie Eilish. Putain, tout à l'heure, je me suis dit, mais attends, pourquoi elle est en noir et vert? J'étais en mode. C'est Billie Eilish ou quoi? Puis je suis en mode, c'est pas logique, c'est le reste, c'est Visual Kei, c'est pas logique. Mais en fait, si, c'est logique de fou. Voilà, la tenue que je voulais faire en mieux exécutée. Voilà, merci. Merci. Managan, il s'est barré. Hein. Ah, par contre, on est beaucoup, non? Je pense qu'on est beaucoup. Ouh! J'arrive pas à redresser mon siège. Tant pis, parce que j'ai grave mal au dos depuis ce matin là. Tout à l'heure, les étirements. Bah, c'était merci. Oh! J'ai pas vu. Quelqu'un a pris un sub en plus. Merci beaucoup! Ah ouais, merci beaucoup! Je voulais regarder si quelqu'un m'avait relancé l'étirement et pas du tout. Oui, j'avoue, j'ai vu, tu m'as scruté, ça a pas dû t'aider. Bah non! J'étais du père au début! Ah, c'est Sabrina? Non? Je sais pas. Ah si, Sabrina, merde, je voyais pas. Je suis con, c'était écrit là. Sabrina Carpenter. Non mais oui, en plus, je crois que je t'ai regardé toi en premier. Je suis en mode jogging fluo, ok. Ça m'aide pas du tout. C'est qui? Arrivé à une mini, mais c'était Barbie. Princesse... Oh non, cute. J'ai frisé, oh my god, j'ai pas pu faire de pause et du quitter. Oh non. Oh non. Sinon, en vrai, si vous buguez, baissez les graphismes. Britney? C'est quoi? Britney Spears, j'avais mute pas. Franchement, j'ai reconnu direct. En vrai, baissez les graphismes, mais... Putain, il est comme ça, le jeu. Merde. Hi. Oh, wow. Franchement, Britney, on reconnaît de fou. De fou. Ma tenue moche, là. Attendez, parce que pour ma défense, j'avais fait une belle tenue Visual Kei. Hein. Est-ce que j'ai un screen juste pour vous montrer, pour vous prouver que je fais pas forcément des outfits que moches? Faut que je me dépêche. J'en avais fait une tenue, elle était belle.
je l'ai plus. Est-ce que j'en ai foutu? Mais je l'ai pas. Je l'ai pas enregistré. Non. J'ai cru que j'avais une capture d'écran, mais pas du tout. Bon, tant pis. Tant pis. Vous allez continuer à croire que je fais que des trucs moches, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est dommage qu'on ait plus le truc des codes, parce qu'avant, avec les codes, on pouvait s'habiller et tout dans le lobby, c'était mieux. On peut rien faire. Bonjour! Je fais le worm. Je vais vous stalker. Je vais vous stalker comme ça. Je ramasse les pistons quand même. Hein. On perd pas le nord. Hein. Ok, chaussettes. Pardon. Noël ? Elf ! Elf ! C'est un elf. Non ? C'est Noël. Parce qu'elle a mis la jupe avec la moumoute. La poupée. Tirer la poupée. Bon. C'est Noël. C'est Noël sûr à 100%. Je refais un tour, mais là je suis convaincue. Là je suis moins convaincue de Noël. Noix de coco. Ah, c'est Holiday le thème. C'est Holiday, du coup, oui. Toi tu fais genre plage, c'est ça? Toi tu fais Noël? Non, je pense que c'est ça. Ouais, c'est un elfe. Ok. C'est Holiday le thème. Je vais faire Pâques. Comme ça, je serai peut-être la seule à faire Pâques, j'espère. Je peux retirer cette pause, merci. C'est un peu compliqué. On va dire que ça, c'est mes œufs de Pâques, ok. À Pâques, on est un lapin de Pâques. On va prendre les oreilles de lapin. Elles sont les oreilles de lapin. Elles sont là. On va foutre un big nœud. Je pense qu'en vrai je me trompe pas. Je pense que je me trompe pas. Parce que je vois un peu toutes les vibes de tout le monde. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'on a une robe sympathique ici qui passe pack? Pack. Non. Une petite fleur. Pourquoi pas. Je colorerai tout après. Les fleurs, ouais. Pas mal pack. Avec le nœud, ça... Ah non, ça passe. Ok, ça passe. J'aurais bien aimé avoir ça, mais il est pas dispo. Ça. Ça va pas avec le dupe, ça me fait chier. Ça. Ah, ça. Ça. Ah putain, ça va pas. Mais non, merde, j'ai pris le Mac. On s'en fout. Thickness, ça change quoi? Ah ouais, ok, plus épais. Pattern on. C'est pas beau en fait. Ça va pas avec. Mais retire la jupe. Mais retire la jupe, je te dis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là, ça? Ouais, ça pourrait passer. Il nous faudrait une jupe plus gonflée. Attends, on va rajouter ça. Parce que c'est chiant. Qu'est-ce qu'on pourrait foutre pour un lapin de Pâques? Ça, c'est Halloween. Non, mais je pense, je suis... Franchement, ça, c'est Noël. Non. Je suis sûre à 99,9% que c'est Holiday, le thème. C'est même... C'est sûr. C'est sûr. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, en fait. Il reste 1 minute 49, Corail, donc tu vas te manier le fion. Au lieu de hésiter, là. Je vais faire un petit tour vite fait, mais... Je sais pas si j'aurais... Quand j'aurais plus à mettre. Ah, Halloween, franchement, tu dead. Tu dead ça. Ouais, je vais rester sur ça. Parce que là, on veut suivre, on va trouver des trucs. Ah, ça, je peux les mettre en courte, les chaussures, je crois. Ouais, ça, j'aurais peut-être plus haut talon. Ensuite, le lapin de Pâques, c'est tout. Ça, dans le coup. Joker.
Ouais. C'est bon. C'est tout, hein. Mais ouais, j'aurais dû foutre la robe là, je viens de voir. Ça aurait beaucoup mieux rendu. C'est pas grave. Bon, on va colorer. Ça ressemble à une grosse merde. Il me reste 50 secondes. J'aurais... Le make-up sera pas fait, ça c'est sûr à 100%. Ça c'est sûr à 100%, le make-up sera pas fait. Au moins je pouvais colorer les trucs. Pourquoi j'étais lente comme ça? Oh le désastre, c'est quoi le thème? Holiday. Ça c'était sûr. Non franchement si tout était coloré avec les cheveux et tout j'avais la vision, mais de loin. Mon dieu. Bah écoutez. Ah mais voilà Pâques. Pâques. Bah oui. La pomme en œuf, c'est grave pas con. C'est grave pas con. Putain. Un jour j'aurai le temps de faire mes tenues entières. Oh. Avec les cornes de cerf et tout. Enfin les cornes, non, les bois par contre. Les bois. Ça me fait toujours rire de te voir faire le phoque ou ça. C'est la meilleure pose. Pose worm. La pose ventute c'est surcoté maman. Mais oui, mais ça c'est... Oui. Ça c'est Summer Holiday, bah oui. Non mais franchement, je me permets de vous remercier, mais vous jouez vraiment Prom Dog et... Vous respectez tous le thème, ce qui fait que c'est très facilement compréhensible. Enfin, cette partie-là, en tout cas, c'était extrêmement facilement compréhensible. Oh non! Trop kiki! Ah, c'est trop kiki, ça. Ah, franchement, c'est trop mimi. C'est trop mimi. Parce que là, on a une Noël, Pâques, vacances d'été. Ah, voilà. J'allais dire, j'ai vu une Halloween. Voilà. Non, franchement, stylé. Stylé, stylé. C'est super bien parce que tout le monde a fait un truc grave différent, je trouve. Après, j'ai quand même... Au début, j'ai quand même reconnu directement Noël. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu Noël, est-ce que j'aurais trouvé le thème? Je ne sais pas. Oh, tu vas au dodo. Bon, on met 5 étoiles partout, en fait. Ah, tout est bien. Oui, on met 5 étoiles partout. Attendez, parce que quand, en cas d'égalité, on est d'accord que c'est le nombre de billets que t'as ramassé qui départage, je crois, il me semble. Heureusement que vous étiez là, les Noël. Bah attends, c'est grâce à toi que j'ai trouvé en plus le thème, je crois. Avec la poupée les oreilles. Je crois que c'est toi. Hein. Je suis émue tellement ça joue bien. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le reste. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Oh! La jupe, franchement, elle rend super bien. Cette jupe-là, à chaque fois, je veux la mettre. J'arrive jamais à la foutre dans un outfit. Là, franchement, ça s'intègre super bien. Get voice chat. Trop mimi. Trop mimi. Trop mimes. C'est clair que le niveau est présent, tu m'étonnes. Attendez, je veux voir un truc juste par curiosité, mais si j'appuie sur Get Voice Chat, vous m'entendez en double ou pas? Oh! Mais non! Vacances de la Toussaint, mais t'es un génie! Mais c'est trop smart! Mais c'est trop smart! C'est trop smart! Ah, oh, c'est trop smart!
Ah putain! C'est Graphabet. Je trouve que les serveurs de DTI se détériorent, c'est chiant, personne ne vote faire, sinon ils comprennent pas le thème. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, je suis coupable, je vote pas toujours faire, mais des fois je suis en mode vas-y, aujourd'hui je vote vraiment Prom Dog, et quand tu votes bien, tu te retrouves dernier parce que les autres n'ont pas voté. Ça c'est insupportable! Ou alors des fois tu te retrouves dans des parties. Putain, c'est vraiment désastreux. Est-ce que j'ai le temps de finir mon truc? Tu te retrouves dans des parties, tu termines la game à 2 ou à 3 et tu te rends compte qu'en fait t'es la seule à avoir voté. Les gens ils disent ah thank you, ah sorry. Bah oui, je suis la seule à avoir voté, connard. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Parce que c'est soit tout le monde vote correctement, soit personne ne vote correctement. C'est ça qui est relou. Je termine mon outfit en toute détente, hein, excusez-moi. J'ai pas pu finir. Est-ce que j'ai même pu commencer à un moment donné? Ça, c'est une autre chose. Comme ça, le temps que vous vous habillez, je terminerai mon truc. Ouais, ça rend peut-être un peu mieux. De loin. Qu'est-ce que j'aurais pu colorer aussi? Mais en fait, ma tenue n'était pas si folle. J'avais une meilleure vision. Bah, je vous attends, hein. Je vous attends. Ouh là, j'ai allé regarder. Qu'est-ce que tu m'as pris? Moi, je vais terminer mon look pack, hein. Oh! Ça make-up. Ça make-up. Ah ça pour la fin de taxe, c'était kiki. Je suis toujours des blondes moi. Insupportable. Ça aurait été mieux pour la fin de pack. Alors oui. Danseuse étoile, c'est ça? Attendez, faut que je mette ma pause pour vous stalker, pardon. C'est obligatoire. Bah, personne ici. Merci pour les billets. Ah, c'est danseuse, ça. Ouais, c'est sûr. Bon, les gars, c'est cramé. N'essayez pas de me cacher le thème. C'est danseuse. C'est ballet. C'est ballet, le thème. Soit le thème, c'est ballet, et du coup, tout le monde fait ballet. Soit le thème, c'est danseur, et vous faites tous ballet. C'est ça. C'est soit l'un soit l'autre thème. Mais bon, voilà. Tout le monde a un tutu. Partant de ce principe-là, je vais pas chercher plus loin. Je vais foutre le tutu. Est-ce que je peux garder des trucs pour gagner du temps? Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, on va voir si on peut garder ça. Le tutu, il est où déjà? Il est de l'autre côté, je crois. Il y a les jupes. Je le mets en géant. Ah, il n'y a plus le tutu géant. Non, j'ai eu mes heureux. Oh non, il y avait un tutu géant avant, tu pouvais l'agrandir. Putain, ils ont retiré les cons. Oh non, ça fait chier ça par contre. Dans le nouveau code, la jupe elle est assez fat. Peut-être ça passe. No layer. Ah ouais, ça passe pas mal en vrai. Genre sérieux. Ça. Non, ça fait con. Pourquoi j'ai mis ça? Ça fait con. Faudrait colorer pour voir. On va faire blanc et bleu. Ça. Oh non. Ouais, ça blanc et tout le reste en bleu. Ah non, ça fait con. Ça bleu, ok. Les manches. C'est pas faux là, hein. Ah mais les guêtres ça va pas parce qu'ils peuvent jamais être tout blancs. C'est pas fou.
Ah mais voilà, mais ça c'est beau. Bah oui, mais oui, bah voilà. Je suis là avec ma tenue pourrave. Cherche même pas. Cherche même pas. Je suis, sincèrement, je suis du père. Ça, je vais quand même foutre les chaussures là. J'ai copié, il y a quelqu'un qui a mis des ailes d'ange, c'est très smart. Ah ouais, avec le masque, putain, mais oui, c'est tellement mieux avec le masque. Sincèrement, c'est tellement mieux. J'essaie de foutre un chignon, mais on le voit pas. Même de dos, on le voit pas. Je sais plus quoi faire. Maquillage bleu. Puis les lèvres, bah, on va les laisser comme ça. Je sais pas. Ah, les yeux gris. Ouais, ouais, c'est un peu nul. Bon, pas de surprise, je pense que le thème est balai. C'est ça? C'est quoi? Swan Lake, bon bah c'était pas loin. J'attends, il y a une pause balai là-dedans. J'ai pu, si elle est là. Merci. Merci, bonsoir. Je suis en train d'y jouer, le thème c'est pool party. Sur le podium t'as deux meufs en robe de random. Ah, en robe random MDR, la première était géniale heureusement. Ah mais souvent c'est ça. Hein. Souvent c'est ça. Hein. Black Swan, mais oui. Mon truc était nul. Hein. Franchement. Vous avez dead. Mais encore une fois, merci. Comme pour Holiday, d'avoir été très rapide pour respecter le thème. Ça m'a beaucoup aidé quand même. Oh! Je trouve ça grave smart les oreilles. Merde. Ces oreilles de sirène, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est des oreilles de sirène. Je suis en train de repenser par contre, le thème c'est Swan Lake. On est d'accord? Est-ce que c'est Barbie avec des signes ou pas du tout? Je crois que c'est elle. Non? C'est pas ça, tu veux une Barbie? Non mais j'avais vu sur TikTok quelqu'un qui pour le thème Swan Lake faisait littéralement un signe. Un signe blanc. Genre en mettant plein de moumoutes et tout. Black Swan trop stylé. En mettant plein de moumoutes et tout, oui d'accord. Et je crois qu'il mettait une casquette verte, verte n'importe quoi, orange pour faire le bec. Barbie, like, aussi. Ouais, c'était bien ça. Je suis contente, tu m'as répondu sur tous les cas. Trop mimes, trop mimes. Oh! Avec le voile et tout, c'est trop beau. C'est trop beau. Ah, je t'ai vu tout à l'heure, toi, non? Petite tête de papillon. Pas la pause. Mais je crois qu'en plus, ils l'ont retravaillé la pause 28. Il y avait un truc comme ça. Ou c'est une nouvelle pause 28 dans un pack. Non. Peut-être que j'ai. Oh, trop chou! Il y a un pack où il y a une nouvelle pose 28. Peut-être que j'ai pas acheté en fait. Je crois que c'est dans le pack troll, un truc comme ça. Oh, tu sais que la dentelle, franchement, c'est grave stylé. On dirait des tatouages sur les jambes, c'est trop beau. C'est quelle pose celle-là? C'est la pose 82. Je vais éternuer. Sincèrement, les gars, je crois que je tombe malade. C'est insupportable.
parce que depuis ce matin j'ai mal au crâne, j'ai hyper mal au dos, genre courbature. Et là j'ai toujours les yeux qui coulent, hein, mais là c'est pire et j'ai le nez qui coule aussi. Je crois que je vais avoir une crève. Ça ne me plaît pas du tout. Si demain je me réveille et j'ai mal à la gorge, je sais que c'est finito. C'est finito. De quoi ? Je voulais faire Odette de Barbie Lagdessine, mais pas eu le temps de finir. Oh, c'est pas grave. Pas grave. Franchement, on reconnaît. Hein. On reconnaît. C'est quoi votre film Barbie préféré ? Ça sent un peu la grippe, ça. Ah, mais de fou. Hein. Mon avis, demain, c'est mort. Oh ! Mérité. Ah, attends ! Je suis troisième ! J'avais pas vu que c'était moi. J'avais pas dit que c'était moi la troisième. My god, bah merci beaucoup, merci. Merci, merci, merci. Je suis encore en pause, moi. Ok, je suis en pause. C'est quoi votre film Barbie préféré? En vrai, est-ce que si on réacte à des films Barbie, ça passe sur Twitch ou on se fait... Un droit d'auteur de Mattel, je pense qu'ils doivent pas rigoler, en vrai. C'est vrai que je questionne... C'est peut-être des films qui datent un peu et des petits films de merde, mais ouais, c'est Mattel, quand même. Non, très mauvaise idée, mais bon. Cœur de princesse. Moi, Cœur de princesse, c'est bon, c'est mon fave. Lac des Cygnes aussi, j'aime beaucoup. Et Casse-Noisette, j'adore. Casse-Noisette aussi, merci, merci, merci. Casse-Noisette sous-côté. Hein. Barbie, la porte secrète, c'est juste pour... Je connais pas. Barbie, diamant. Les trois mousquetaires. Il y a Barbie et les trois mousquetaires ? Mais non. Ça existe ? Putain, il y en a tellement. Princesse et la pop star, il faut que je le regarde parce que j'avais lu que c'était pas un remake, mais c'était un peu un hommage à Cœur de Princesse, c'est ça? Au niveau des prénoms et tout, enfin j'avais vu un truc, une théorie et tout, je suis en mode putain, trop bien. C'est un peu la même histoire en gros, les échanges de rôles. Faut trop que je regarde celui-là. Et puis je suis encore bloquée dans une pause. Oh, je vous jure, je pense que demain j'ai la grève. Et ça me fait bien chier. Alors là, tout le monde est très hésitant. Le thème, il est compliqué ou quoi? Tu m'as jugé. Tu m'as jugé. Mais c'est qu'on peut foutre la nuit? Ça change quoi? Ah! On peut mettre le serveur en mode nuit. Ok. Ça nique les couleurs, quoi. Fais un filtre sépia. Heureusement que j'ai pas mis mes lentilles. Hein. Parce que là, même avec les lunettes, j'ai les yeux qui pleurent et j'ai le crâne explosé de regarder l'écran. Heureusement que j'ai pas mis les lentilles, que je les ai retirées. C'est Dodo ? C'est pas la mère de réponse, ça ? Enfin, pas sa mère, non, justement, c'est pas sa mère. Mère Gothel ? Putain, je sais pas. Je suis censée trouver le thème, les gars, parce que là, vous m'aidez pas. Hein. Je vous aime bien, mais dépêchez-vous un petit peu, parce que là, j'en ai aucune idée de ce que vous faites. Non! C'est Poison Ivy? Fiona? Je crois qu'il y a une vague de... Il y a un truc de cosplay. Il y a un truc de cosplay. C'est pas du cosplay ? Putain, il y a un truc de cosplay, ça me stresse. Je suis du père, mais fois 3 milliards. Vous savez ce que vous m'inspirez? Sincèrement, je sais que je vais être hors thème. Mais je vous vois tous en rouge avec les cheveux noirs. J'ai envie de faire. Dans les Sims. Bella ou Sonia Gothic, je sais plus. Je cherche une photo de rêve, je vais faire ça, j'en ai rien à foutre.
Ah oui, Sonia Gothic, c'est, dans une... c'est en français et Bella Goth, c'est en VO. On va faire Bella Goth. Personne l'a demandé. C'est pas grave. Ça se trouve, le thème, c'est juste raid. Hein. Ça se trouve, le thème, c'est juste raid, et puis au final, je fais... Ouais, ça doit être rouge, le thème, au final. Hein. C'est ça ? Ouais, du coup, je fais... Je fais Bella Goth, c'est pas grave. Au niveau des yeux. Ah, j'ai mis le coup, j'en peux plus, je vais me tuer. Les yeux bleus ? Non, gris. Gris... Ah non, un peu vert. Vert gris, comme ça. Ouais, pas trop, mais c'est pas grave. T'as pas le temps de parler. Les sourcils noirs. Ouais. La bouche un peu rouge, hein. Normalement. Ah non, qui... Ah putain, il y a qui la font avec la bouche noire, ça rend pas mal. Bouche foncée, ouais, comme ça. Tac, le contour. C'est quoi ça? Ah ben la motif. Faire un cut crisse comme ça. On va dire que c'était la gote. Les cheveux. J'ai encore rien fait, j'ai même pas mis de robe, rien du tout, je me suis... Oh là là les gars, après elle a juste une robe rouge. Hein. C'est pas non plus le summum du compliqué, mais bon. C'est horrible, mais je suis... En fait, je fais que de la merde, sincèrement. Je fais que de la merde. Dingue. C'est horrible. C'était raide le thème, c'était autre chose, franchement, je n'avais pas. Alors là, je n'avais pas. Télé-novela, mais non. Putain, j'avoue. Putain. Mais Bella Goth, elle est latina, non? Bah non, je suis con, non. Bah non. Bah non, Vladimir Gothic, il est pas latino, non. Putain, j'en sais rien. Bella Goth, est-ce que... On va taper. Bella Goth latina ou pas? Non, du tout. Non. Bah c'est pas grave. C'est pas grave. Soy Luna, mais oui, d'accord, je comprends la tenue, putain, mais oui. Oh, mais sincèrement, j'étais du père. Hein. J'ai cru qu'il y avait la mère Gothel de réponse. Après, je t'ai vu toi, mais du coup, maintenant, je comprends la ref. Mais je me suis dit, il y a un truc de cosplay, c'est pas possible. Oh là là là. Mais c'est le pire thème de Noël-là. C'est le pire thème, les gars. C'est le pire thème. Non, non, mais ok, j'ai la vision. C'est ça qu'on a le descriptif, maintenant. Dramatic glamorous look with a soap opera star. Ah non, like. Je sais même pas dire, c'est pas grave. Le petit couteau. Oh les larmes! Putain, c'est trop smart les larmes. T'as le custom make-up, non? Oh wow! Trop stylé. Trop stylé. En fait, vraiment, ce que je trouvais chelou, c'est qu'au début, je pensais que c'était cosplay. Après, je vous ai tous vu avec les cheveux noirs et une robe rouge. Je me suis dit c'est chic et rouge. Mais je sais pas. Ça m'a pas. Ça m'a pas percuté. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non mais franchement c'est pas le meilleur thème. Hein. Mais est-ce que si je parle là-dedans ça marche? Je vais voir un truc. Ah ok, ça va. Non parce que quand il y a du chat vocal et tout, j'ai toujours peur de cliquer sans faire exprès. Bah après là ça va, je suis avec vous donc ça passe mais. C'est Violetta? Violetta, mais j'ai fait n'importe quoi. Bah, j'ai reconnu direct Violetta. Hein. Alors que moi, je regardais pas, c'est ma soeur qui regardait. Donc, je suis même pas. Genre, j'ai même pas la rêve des tenues. Hein. C'est que ça ressemble.
Oh, smart d'avoir fait du vert. Effectivement, parce que tout le monde a fait rouge. C'est quoi ? Anna Sophia ? Putain, ça me dit un truc, attends. C'est encore une ref évidente que je n'ai pas. Je ne sais pas. Oh ! Très chic. Bah, j'espère juste que le thème d'après, c'est pas Victoria, non. Ouais, mais je l'ai débloqué aujourd'hui, je perds tellement de temps dans le custom make-up. Ah, tu m'étonnes. Mais va en free play et tu t'en fais plein. Tu t'en enregistres plein parce que franchement, ça prend un long temps. Je te comprends. J'étais tellement pas inspirée, oh my god, j'y connais rien en télé-nouvelle MDR. Ouais, c'est pas. On est ensemble, bah, tu m'étonnes. Anna Sophia, c'est Eva Longoria dans la série. Ah, d'accord, merci. Putain, merci, je trouvais pas sur Google. Merci. Oh là là. Je suis dernière de manière évidente parce que j'ai fait ces bélagotes, des sips. Ce qui n'a rien à voir. Et elle ne ressemble pas non plus à Bélagotte. Ça c'est fait. Oh là là, je suis mort. Je suis mort. Voilà, il est facile celui-là, je pense que... Je vais dire il est facile celui-là, je pense qu'il y a déjà quelqu'un à arriver, mais le premier truc je fail, donc... Hop là. S'il y a quelqu'un au bout, s'il vous plaît, laissez-moi une rangée de billets, merci. Non ! Moi, ce que je fais de base, quand je vois qu'il, genre, j'arrive à l'arrivée et qu'il reste énormément de temps dans le timer, je prends que la moitié des billets, parce que je me dis, bon, on sait jamais. Mais jamais personne me le fait dans ce jeu de merde. C'est dur. Oh non, j'arriverai pas au bout, non ! Mais bifton ! Ça va pas. Ah, allez, guys, on compte sur vous. Oh oh, déjà il y a une peau rouge. Alors là, là il y a du cosplay, il y a des éléments, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Oh, une peau verte, orange, jaune, bleu. C'est quoi le thème? My Little Pony. C'est quoi? Vous êtes tous DM derrière mon dos et vous êtes tous dit on prend une couleur différente, on la troll, vous faites quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est les éléments. C'est les éléments, je pense. C'est les éléments. Okay. Oh, c'est les éléments. Je refais un tour et après je change ma couleur de peau. Je vais faire comme vous. Je veux juste être sûr que ce soit ça, parce que si c'est pas ça, je vais être très loin. Pour moi, là, c'est genre terre, là, c'est feu, là, c'est feu également, là, c'est genre la glace, là, c'est l'eau. Pourquoi tout le monde pleure? C'est les éléments qui pleurent. Ah, c'est pas Inside Out, c'est ça? J'ai jamais vu. Si. C'est la go de Inside Out? Non? Non, elle a une écharpe. Si, c'est elle. Putain, mais c'est quoi, émotion? Putain, mais j'ai jamais vu, moi. J'ai jamais vu le film, là. Merde, c'est quoi déjà en français, Inside Out? C'est... Merde, je vois c'est quoi, mais... Ah, putain, c'est ça. Jamais vu de film. Je vais inventer mon émotion. Non, venez, on fait un truc rose. Et c'est l'émotion, le sentiment amoureux. Je sais pas. Mais en fait, tu peux pas faire un truc déjà existant parce que je connais pas. Bon, vas-y, j'improvise. Alors là, j'improvise.
Comme si j'improvisais pas depuis le début. Bon, on est dans la merde. Hein. Mais le rose que j'ai mis, il est trop moche, par contre. Hein. Je suis en train de réaliser. Hein. Pas fou. Que c'est ça, mesdames et messieurs, de l'improvisation. Et je vais être hors thème parce qu'au final, je vais voir le thème, je vais me dire bah oui, c'était évident. Mais c'est pas ce que je suis en train de faire. C'est pas grave. Sincèrement, c'est moche ce que je fais. Ah, j'aime pas du tout ce que je fais. J'aime pas du tout ce que je fais. J'aime pas du tout ce que je fais. Ça arrive. Ça arrive souvent en ce moment. Pas vraiment. C'est super moche, je veux dire, évidemment. C'est une laideur. C'est moche, c'est moche. Arrête d'obstiner pour aller, c'est moche. Ouais, ça va mieux, ça passe. Ça passe. Quoi, 35 secondes? Non, mais quand on n'a pas le thème, je vous jure, le temps il défile à une vitesse, c'est horrible. Oh non, je suis déjà pas dans la merde. On dirait une Monster High. C'était pas le concept de base. Au moins des chaussures, ce serait bien. Laissez-moi avoir des petites chaussures, qu'est-ce que je pourrais foutre en chaussures. On va foutre toujours les mêmes. Non, mais celle-là, ça change un peu. Bah là, le thème, j'ai reconnu Inside Out, mais je crois que c'est pas le nom du thème de base. Donc ça doit être un truc similaire. Émotion, ou je sais pas. Je sais pas, mais vous n'aurez pas plus de moi. Parce que je fais de la merde. C'est trop moche ce que j'ai fait. C'est trop moche. C'est quoi, pitié? Ça, c'est vice versa en VF. Merci, vice versa. Et du coup... Oh, c'était vraiment émotion. Mais non. Je suis choquée. Je suis choquée, j'avais trouvé émotion. J'avais trouvé émotion. Je suis choquée. Je suis choquée. Bah moi du coup j'ai fait un truc en mode le sentiment amoureux c'est pas vraiment une émotion mais Bah si l'amour c'est une émotion. Parce que... oui c'est une émotion. Bah oui c'est une émotion. Oui c'est une émotion. Attendez ça marche ou pas? Voilà ça j'ai reconnu c'est le... C'est joie non? C'est ça? Mais t'es désensuré. T'es désensuré mais je pense que c'est joie le perso principal je crois. Mon dieu. Et franchement, je suis choquée d'avoir trouvé le thème. Enfin, j'ai reconnu, je vous ai tous reconnus. J'ai l'impression que tout le monde a fait un perso différent, donc ça c'est vachement bien. Mais heureusement que je suis pas partie et que j'ai un peu attendu. Et que je suis pas partie direct en me disant c'est les éléments. Hein. Parce que j'étais pas dans la merde. Ah là 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 là. Du coup, oui, c'est joie, hein. C'est ça. Anxiété de vice versa. Anxiété, c'était la première, c'est ça? Enfin, après moi. Du coup, l'autre qui était en rouge, c'est colère. Ça, c'est dégoût, c'est ça? Non, je connais bien les persos, au final. Je me rends compte, ça va. Ça va. Mais vous faites tous censurer, vous. Désolée pour la censure. Oh.
Mais waouh. Bah franchement, GG à toi de pas avoir fait Inside Out. Mais franchement, c'est grave original. Ennui. Ah, c'est dans le... Ah oui. C'est pas... Adèle... Exarchopoulos qui fait la voix. Je crois que j'ai vu passer sur TikTok. Faudrait que je regarde un jour les films... vice versa. Un jour. J'ai toujours ça. Quand on me donne des recos, quoi, je regarderai, puis je regarde jamais. Merde, j'ai pas voté. Je regarde jamais. Là, c'est colère, c'est ça, non? C'est quoi? Ok, j'essaie de faire la colère, en général, pas forcément du vice versa, mais j'ai pas eu le temps de finir, je souffle. T'inquiète, on est ensemble. On est ensemble. 5 minutes, c'est trop court. Par contre, rien à voir, mais il y a eu une mise à jour depuis la dernière fois. C'est quand j'ai lancé le serveur, ça m'a demandé si jamais je voulais faire un serveur avec des parties, si je voulais faire un serveur free play, et ça m'a aussi demandé avec quel niveau je voulais jouer. J'ai mis tout niveau pour que vous puissiez tous rejoindre, mais maintenant il y a des options pour modifier son serveur. Je trouve ça vachement bien. Donc j'espère qu'un jour ils vont nous faire des serveurs custom où on pourra choisir la durée des parties. Et après on se fait des parties de 15 minutes, on fait des outfits, mais incroyable. Mais ouais, ce serait pratique quand même. En fait, je fais des parties avec 4 objets sur ma tenue. Hein. Sachez qu'en temps normal, quand je joue Prom Dug, très important, souvent j'arrive au max d'objets portés. Donc là, c'est vraiment, je suis en galère monstre. Hein, sans avoir le thème. C'est horrible. Les gars, ça va être ma dernière partie pour moi parce que je me sens éclatée. Je pense que je vais être malade. Ou je vais vous laisser après ça. Je vais mettre en pyjama dans mon lit. Je n'attends que ça. Personne m'a laissé de bifton. Oh, vous êtes des traîtres. Non, je suis tombée. Je suis tombée. Non. Non. Allez, c'est parti. En vrai, je peux... Ouais. J'allais dire que je peux lire le chat si je cache l'écran, mais non, parce que ça se trouve, vous parlez du thème, donc je peux pas discuter avec vous. Je regarde tous ces Smarties s'agiter. C'est M&M's. Bon, déjà, tout le monde met une couleur de peau... naturelle, j'ai envie de dire. Qui n'est pas bleu, jaune et compagnie. Donc, bon. On n'est pas sur un thème... Qu'est-ce qu'il y a, Dodo? Dodo, ça va? J'ai pas entendu le bruit. Il y a du bruit, c'est normal? C'est quoi le bruit, Dodo? C'est quoi le bruit, Dodo, s'il te plaît? Ok. Ok, ok. Ok, ok. Barbie again? Non, je sais pas. C'est le thème de tout à l'heure? Popstar? Enfin, Popstar versus Rockstar, c'est ça? Non, ils l'ont pas vu deux fois quand même. Ça se pourrait parce que. Billie Eilish. De toute façon, c'est pas ça, hein, mais je cherche. Hein. Il y a quelqu'un qui faisait vachement. Sabrina Carpenter, les bottes. Putain, c'est le thème, c'est. Ou alors, c'est peut-être juste pop. Pop. Pop culture, pop icon, je sais pas. Je fais qui, moi, je fais quoi? Maman, je sais pas. Britney? Non, mais c'est pop, ok. En pop, je vais faire qui, moi? Je sais pas. Oh my god, je sais pas faire qui. Je sais pas. C'est quoi, ça? Je veux trop savoir tu fais qui en violet. J'aime trop. Bah, tu me diras pas, mais... Si, c'est Britney, je me suis pas plantée. Si, c'est Britney. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais dans le thème là? Si c'est pop ou quoi?
Je fais toujours Christina Aguilera, mais j'en ai un peu ras le cul de la faire. Genre, je sais pas quoi faire. C'est horrible. C'est horrible, je sais pas quoi faire. On va déjà foutre un make-up lambda qui va avec tout. Comme ça, au moins, je peux réfléchir après à ce que je mets. Ou pas. Je peux même pas me dire que je m'inspire de vos tenues parce que je vais pas faire la même personne. Ah, c'est attends, si! Chapel Run? Elle a pas une tenue comme putain, je... Ça, c'est Sabrina Carpenter, mais c'est sûr. Non, mais franchement, je vous dis, je suis pas bien, moi. Je sais pas pourquoi je n'ai aucune idée de qui faire en personnage pop, de pop culture, enfin musique pop. Alors que littéralement, ma vie. Je jure, je sais pas quoi faire. Je veux vraiment aller dormir, c'est une bonne rien. La go est explosée. Dodo, donne-moi une chanteuse à faire. Vite. Un nom de Dofit. Ils m'aident pas. Katy Perry? Putain, vas-y. California Girl. Putain, avec la wig bleue. J'aurai jamais le temps. Putain, j'avoue qu'il est pas con. Ça, c'est la wig bleue et c'est les seins en cupcake. Ah bah, on est pas dans la merde. Je pourrais pas faire les... Ah bah sinon, je mets le cupcake géant. Bah c'est bon, je fais Katy Perry en fait. Ouais, c'est bon. Merci Dodo. Attendez, elle a les cheveux bouclés, elle a une frange. Elle a une wig qui fait très cheapos comme ça. Non, un peu plus comme ça, ouais, comme ça. Katy Perry, elle a les yeux bleus, je crois. Je sais même plus. Je joue vraiment comme une brêle aujourd'hui, je suis désolée. Hein. Pour moi, elle a les yeux bleus. Oui, elle a les yeux bleus, elle a du make-up noir. Le make-up, on va laisser comme il est. Et on va mettre le cupcake parce que de base, elle a le soutif en cupcake. Du coup, soyons smart. Jouons peu, jouons bien. Ah, mais c'est la. C'est déjà la bonne couleur? Non! Je jure que c'est déjà la bonne couleur. Je vous jure que c'est déjà la bonne couleur par rapport au clip. Ah non, j'aurais dû faire... Love to Music, c'est pas grave. Last Friday Night, c'est pas grave. Bon, le thème était... Popstar. Je suis vraiment désolée, j'ai fait de la grosse merde ce soir. Je vous le dis. Là, je vais... De la merde. De la merde. Après, ça fait un peu Katy Perry. Hein. J'aurais fait Anna Montana. Bah oui, j'avoue. Putain, Anna Montana. Mon dieu. Putain, grave pas con. Ah, putain, oui, j'ai reconnu. Rosé. Dans le dernier clip, oui. Tout à l'heure que je passais devant, je me disais, mais c'est qui? Mais si, mais avec l'ensemble, je... Si, je visualise. Sabrina Carpenter. Of course. Avec le top. Allez, le cœur. Attendez, je vais essayer de pas lire ce que vous écrivez et tout pour essayer de voir si j'arrive à deviner toutes les personnes. Ça va être mon challenge. Bah, Chapel Run. Je vérifie pour confirmer. Je sais pas, je t'ai fait censurer. Ils sont chiants de censurer les noms. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit Y'all sucks, ça passe. Par contre, tu mets des prénoms de stars, bah non, on veut pas trop. Britney Spears, putain, dans Toxic. Je suis en train de réaliser que je fais soit Christina Aguilera, bref, année 2000, soit j'ai déjà fait cette tenue plusieurs fois et je la fais super mal par rapport. Merde, j'ai pas voté! Parce que franchement, sincèrement, écoute-moi, Britney Spears, tu as dead Britney Spears toxique. Voilà ce que je voulais dire. C'est Christina!
Disney Ghost. Bah en vrai, il aurait fallu les cheveux plus longs, mais genre, je vois la vibe. Je vois la vibe, il aurait fallu les cheveux plus longs. Putain, j'étais là, j'ai cru que c'était Chapel Road, c'est Mélanie Martinez. C'est ça, oui. Bah après, il y a pas beaucoup de coupes split air, je crois, dans le jeu. Mais pour l'instant, j'ai reconnu tout le monde, hein. Je réfléchis. Il y a une autre Britney après, de Hit Me Baby One More Time. Billie Eilish, ça j'avais reconnu tout à l'heure. Je reconnais tout le monde. Je reconnais tout le monde. Je reconnais tout le monde. En fait, là, c'est les VMAs. Tout le monde se retrouve. Voilà, Britney. Je vérifie. Britney, j'ai bug pour la robe. Attends, quoi? J'ai pas du tout. Pourquoi? Je voulais faire. Pourquoi il y a un couteau? Du coup, je vois avec les cheveux rouges, mais merde, j'ai pas voté. Putain. Non. Ah, dans Man's Down. Ah oui. Ok. Non, franchement, oui. Maintenant que tu le dis, oui. Mais, ok. Franchement, j'ai honte. J'ai vraiment fait ça. Un gros caca, là. C'est honteux ce que j'ai fait. Sincèrement. Sincèrement. C'est honteux ce que j'ai fait. Ouais. Est-ce que vous avez la pose warm, s'il vous plaît? Venez, on fait tous la pose warm avant de quitter. Si vous l'avez. Non, je crois que je suis la seule conne à l'avoir acheté, en fait. C'est pas grave. Le cœur y est. Je l'ai pas, sniff. Je suis vraiment la seule. Mon dieu. Je sais pas, trop mignon de voir tout le monde qui danse là. C'est trop mignon. Bon, est-ce que si vous voulez jouer entre vous, le serveur, je peux quitter, mais je vous le laisse ouvert si jamais. Hein. Écoutez les gars. Est-ce qu'il y en a qui veulent jouer avant que j'arrête le stream? Auquel cas, je vous remets le lien dans le... L'ego est bloqué. Je vous remets le lien dans le chat Twitch si jamais vous voulez jouer entre vous et vous voulez jouer premier degré bien noté. Si vous voulez, je vous laisse le serveur ouvert, ça change rien pour moi. Donc vous me dites pas. Mais du coup voilà, il vous dit que je suis. Alors aujourd'hui j'ai vraiment une tête de con, rien n'allait. Pouf, écoutez, vous avez choisi le jeu du jour, moi j'ai hâte de la semaine pro. J'espère que je serai pas malade et j'espère que My Sims le portage de My Sims sur Switch pardon sera cool, mais l'animation est hilarante. Ah mais c'est incroyable, cette pose est incroyable. Non mais ouais, j'avoue que DTI j'ai beaucoup joué avant la mage Noël, Halloween. J'ai vu la mage Halloween, j'ai un peu joué et c'est totalement con ce que je vais dire. Hein. Mais le jeu est devenu trop beau. Je trouvais que c'était fun quand on avait moins de vêtements et qu'on galérait à faire des belles tenues. Alors que maintenant, t'as déjà des trucs beaux. Donc je sais pas, j'accroche un peu moins parce que bah, t'as moins besoin de travailler entre guillemets tes tenues, je trouve. Bref. Peu importe. J'adore quand même le jeu, hein, je dis pas. Mais j'ai trop hâte de voir la mage de Noël ou d'hiver si on a une. Donc voilà, je vous dis à bonne nuit. Ouf. Non, je vous dis, ce soir j'ai le cerveau, il tourne, quand je vous dis qu'il tourne à l'envers, c'est pas possible. Je vous dis à la semaine prochaine, bonne nuit, voilà, disons les choses dans l'ordre. Et puis voilà, très hâte du My Sims, hein. Franchement, j'espère que je serai pas déçue. C'est un portage du My Sims, oui, j'y ai jamais joué. Donc franchement, j'essaie de pas aller me spoil ou quoi.
Mais voilà, voilà, à bonne nuit, totalement. À bonne nuit. Et à la, et à la semaine prochaine. Quand c'est pas les problèmes techniques, c'est moi le problème technique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, allez, à la semaine prochaine.